Ok, moi, ok les gars, on va reprendre, parce que vous l'avez fait tout à l'heure et on l'a pas relevé, on l'a pas vu à l'antenne, les gars. Mettez-moi des deux bouts d'un mec, les gars, dans le chat, s'il vous plaît. Léchez-moi des balls dans le chat, s'il vous plaît. Je sens une intervention. Non, il sera pas là ce soir, normalement. Bon, on y va. Wow, pas mal. Les deux bouts d'un mec. Bon, les dix live, je vous remettrai tout à l'heure, les gars. Et puis voilà. Ouais, non, mais... Ouais, je sais, ouais, c'est un de mes collègues. Hein, on lui passe le salam si... Hein, alors, il a dit qu'il allait regarder mon stream. Notre ami pirate. Hein. J'espère qu'il n'y a que de la bienveillance, les mecs. Hein, je vous ai à l'œil. De toute façon, s'il y a un mec qui me balance, ouais, il y a un gars qui s'amuse à se foutre de lui et l'embêter. Je vous regarde, les gars, ça sera un ban d'ici. Donc, l'embêtez pas. Passez des bons moments sur son stream. On lui fait un peu de pub. Pirate51, je crois, sa chaîne D-Live. Ceux qui veulent voir du DJing... voilà, en plus il met des sons sympas, années 80, 90, donc c'est... voilà. Ok, je vous fais confiance. Skinny! Et ça envoie du sub sur la chaîne de Célène CSGO, tout est dans la description les mecs, merci beaucoup, vous avez les alertes. Par contre, parce que je peux pas les muter les alertes de ce Célène, donc s'il vous plaît, voilà. Maintenant, merci, point trop d'infos, on va jouer. Venez de Discord, non, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Voilà. Allez, c'est parti. Yo, 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 les noobs. Salut, Tommy Lydion. On y va. Et après, bah, restez concentrés parce qu'il va se passer après des choses, chers viewers. On ira certainement faire une session RP ou... en même temps, je dis RP, mais des fois, ça part très, très vite en couille. Puisque vous le savez, hein, à chaque fois, on laisse une chance aux Français, aux réalistes français. Mais à part Mister MV, qui va prendre le flambeau du vrai rôliste? Pas grand monde, non? On verra. On testera ça tout à l'heure avec peut-être Greg qui nous fera une petite scène de Vio-League. Oh les gars, vous faites plaisir quand vous envoyez vos primes. Be a sack, FBSC sack. Merci les gars d'envoyer vos primes sur chez Célène les mecs. C'est toujours ça de prix. Merci les mecs. On a bien fait de faire avancer cette chaîne, c'est cool. Même si sur YouTube, alors je confirme les gars, en fait on est vraiment sur du 70-30 hein, quand vous vous abonnez sur YouTube. Twitch, vous êtes à la ramasse hein. Je sais que vous allez prendre cet extrait, d'autres personnes qui veulent me détracter prendront un clip de cet extrait. Mais Twitch, franchement, pas terrible. Il faut galérer des années avant d'avoir 70-30, alors on démarre sur YouTube, direct on l'a. Franchement, que demande le peuple? Get the fuck up! Je vais mettre en plus grand. Donc voilà, que demande le peuple, chers viewers. Non, mais c'est vrai. Mais je crois qu'on touche plus. On touche 3 euros. J'avais regardé tout à l'heure, 3,35 euros. Et sur YouTube, sur Twitch, tu te fais un peu ken. Je crois que c'est 3,05 euros. Voilà. Alaikum salam, Cal. Grind de Lovo, la maison. Non, Lovo, on a fait pas mal cette semaine, les mecs. Hein. Donc on va pas le faire. Allez, go. Napo, j'espère que tu modères bien sur D-Live, hein, parce que, ouais, faut pas que ce soit trop le bordel. Bon, on va juste voir s'il y a des gens dessus. On aura le retour de notre ami Doofy, parce qu'il avait un compte aussi sur ce serveur. Et, non, vous en faites pas, il est pas mort. Hein. Bah, j'allais dire paix à son âme. Non, il reviendra, c'est juste peut-être qu'il est en vacances, il est un peu occupé, mais il m'a dit qu'il serait là pour les différents contenus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient. D'ailleurs, vous dites-le moi dans le chat, hein, dans le rôle de Bogdan, il fait des fois JPGIF, et c'est lui qui joue aussi Gotham Tandoori Chicken, and they want the review, 1+70. Et celui qui joue aussi Doofy sur le RP. J'ai de la thune. Who fucking win tournament? Ouais, il est très très bon. Là, on est sur du très très bon brawliste. Hein. Ouais. Merci. Bon, je vais muter les alliances. Je remercie Forage Evet. Petite rage qui fait du bien. Merci beaucoup pour ton don. Père Castor, pareil. Merci les gars. One aussi. Bon, j'espère que One, tu trollais. Hein. On te reverra un petit peu sur l'Ovo quand même. Alors, vous préférez Doofy sur Red Dead et Gotham sur GTA V? C'est vrai que Gotham, quand on faisait les ravelings avec Gotham, c'était sympa, non?
Est-ce que je vais mourir, les gars? Est-ce que je suis sur le point de mourir? Non, je suis pas sur le point de mourir. Vous entendez bien le son du jeu? J'augmente un peu ou pas, les gars? C'est assez? Non, il faut être dans l'ambiance, je pense. Vous m'entendez? J'espère que je suis sur le bon TS parce que ça me ferait chier, quoi. Merci la chienne qui vient de s'abonner en tant qu'ultra, merci. Qui devient sponsor sur la chaîne YouTube, merci beaucoup. Faut s'y retrouver hein, avec ceux qui ralassent sur D-Live, sur maintenant Twitch. Maintenant, je vois que les gens ils me supportent sur Twitch. C'est bizarre de dire ça, que vous vous abonnez sur Twitch. Alors qu'ils m'ont ban... sur YouTube aussi, merci les gars. Et bientôt sur Theta. On va aller sur Theta, les gars. Non, je pense que c'est un peu trop. Oh, c'est un peu trop là maintenant après. Mais pourquoi pas? À un moment, pour troll, les gars, on voulait faire d'autres plateformes. Des plateformes chinoises. Attends, je vais aller où, les cartes. Des plateformes chinoises. Il y a des sites connus chinois, t'imagines? Ça se trouve, c'est le plus gros streamer français avec le nombre de viewers que je vais avoir si je suis sur plusieurs plateformes de streaming chinoises. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Merde, j'ai pas vu. Qui s'est abonné? Ah non, c'est Fluida. Ouais, c'est Fluida. Merci, Fluida, qui dit resub. Alors, sur D-Live, on voit le resub, mais sur YouTube, c'est chiant, on voit pas. Vous en faites pas, les gars. Je vais vous faire... s'il y en a qui veulent qu'on... En fin de live ou mi-live, les gars, je vous ferai dédicace à ceux qui ont resub ce mois-ci. C'est vrai que c'est chiant, ça. Si vous voulez passer à l'antenne, parce qu'il y en a, tu vois le coussin là qui est dans la chambre, tu sais à quoi il peut servir, Aylan? Oh, merci. Bonne nuit, Aylan. Dors bien. Oui, ferme la porte, ouais. Plateforme chinoise, c'est gros. Donc t'imagines, les Chinois, ils me kiffent. Ils sont pas en full nom. Ouais, vous pensez qu'ils vont apprécier mon RP Michampo? Bon, je suis où, les gars? Est-ce qu'on va voir s'il y a l'autre, là, la meuf qui était... Je crois que je vais aller à Saint-Denis, les gars, non? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Parce que je sais pas si... En tout cas, avant de me connecter, les gars, il y avait une... 25 personnes. Donc je me dis... on tente. On tente quand même, les gars. Les Noirs qui fait un... Je sais pas, les Chinois qui viennent, les Noirs ou pas, à votre avis? En général. C'est vrai qu'on est tous le raciste de quelqu'un, mais je me demandais si les Chinois étaient... Parce que franchement, les Chinois, j'en croise pas mal. Hein. Enfin, ils viennent faire du business aux Comores, il y a aucun souci, les gars. Excusez-moi. Bonne journée. J'ai peur qu'il sorte son gun, les gars, donc je le feinte. Merde. Ce jeu est quand même extraordinaire. Hein. Viens ici, tu vas être mon esclave, cette pute. C'est vraiment le meilleur jeu pour RP. Ils aiment que le business. Oh là, c'est un peu réducteur, ça. Oui, au basket. Ça a l'air de bien rouler, là. Ah ouais, pensez qu'ils sont aussi racistes que nous? Franchement, non. Enfin, moi, même à l'étranger, je me suis toujours bien entendu. Après, je suis jamais allé. Vous êtes partis. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés. Ils sont bien vus, les touristes là-bas, les étrangers, quand ils viennent en Chine. Il y a des choses à voir en plus en Chine. La Grande Muraille de Chine, non? C'est pas mal ça. Il y a quoi à visiter en Chine, les gars? Beijing, Beijing, Shaoxing, Loa. On dirait un bruit de Bran Laxman quand tu tapes sur les chevaux, ouais. Y'a que ça, tu retiens que ça, quoi. On est... Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, Fluida? Bah c'est vrai, non? Pas d'accord? Bonne nuit, Bouchou, t'inquiète, merci Napo, j'ai vu. Bon, là, qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Monsieur...
Bon, bah, rendormez-vous. Oh non, mon attelage. Reviens ici, sale bête. Putain, fais chier, quoi. Bon, après, je suis arrivé à Saint-Denis, mais... Oui, excusez-moi un instant, monsieur. Ah, putain, mais quel con. Je pensais que la dame, elle va rester. Attendez, ici, ouais, excusez-moi. Ah ouais, j'ai pris le pire cheval, quoi. On le tente ? Merde ! Alors, oh, ça va me mettre en égo. Excusez-moi, désolé, c'est le personnage. Alors toi, tu vas voir, toi. Alors toi... Excuse-moi, j'allais bien. Viens, tu vas voir, toi. Espèce de grosse salope. Ça t'abuse de me narguer. Viens, cette pute. Alors, tu me rappelles ma mère, cette grosse chienne. Grosse salope. Grosse pute. Eh bien. Bon, j'ai pas le temps de te baiser. Ce qui va se passer, c'est que les crocos vont se charger de toi. Merde, merde. Ouais, je vous donne ça. Ah ouais, ils l'ont déchiré. C'était un croco, là ? Si je restais, j'étais mort. Tu peux les noyer dans la rivière, s'autoriser ça. Merci Diamond, Diamond DF, merci. Il vient de s'abonner. Comment t'as connu cette chaîne ? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'abonner ? Je te fais un check, Rakaï. Beaucoup d'amour, merci beaucoup. Tu viens de quelle chaîne, mec ? Chipscuit, on t'a jamais vu sur le chat. Il me demande, il me dit dans le chat, est-ce que tu peux, P-E-U-T, est-ce que je lui réponds ou on le banne, lui ? Mettez-lui 5 minutes, déjà. Les modos, s'il vous plaît. T'as un baiser, on fait pas ça. Nous, c'est du RP propre, on est des rôlistes. Mets-lui un Théo, c'est un ouf, lui. Tu viens de chez qui, de chez T. Tu dois venir de chez The Kiri, non ? C'était l'amour sport. Bon, on va voir, les gars. J'espère vraiment qu'il y a des gens ici, quoi. Ça me ferait chier d'aller à l'autre bout. Bon, ça, on l'a déjà vu sur Twitch, on sait, c'est une superbe... C'est où les gars, dites-moi où faut aller. Salut Botos Dakaru. Non, y'a personne ici. Attends, quels sont les endroits clés les gars sur à Saint-Denis ? J'ai hâte qu'il termine son serveur là, j'espère que ça va pas flopper comme le serveur de Bob Loga. À chaque fois il me disait ouais t'inquiète on va avoir un vrai serveur RP, j'espère que... J'en doute pas, je pense qu'il sera là le serveur, mais est-ce qu'il y aura du monde, est-ce qu'il partira en overbuzz? C'est un serveur RP que mettre en place à Yembap les gars. Un serveur avec 1000 slots, bah, c'est ambitieux hein, mais est-ce qu'il est, il a pas vu un peu les choses un peu trop en grand? Le marché près des quais, vas-y Pergola dis-moi où ils peuvent RP, tu me dis dans la carte. Mais après, si on peut faire du RP avec 1000 personnes sur le même serveur, ça serait dingue. Ici ? Là ? Là ? Là ? Non, on l'a déjà fait, les gars. Là ? Là ? Ouais, mais c'est le meilleur, en fait. Je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord dans le sens, c'est limité dans le sens où on est au niveau des interactions, peut-être, parce qu'on en trouve moins de monde, mais c'est vraiment le meilleur jeu. Franchement, le perso qu'avait joué, je sais pas si vous vous souvenez, à Yembap... le petit gouverneur super aigri en nain avec son esclave noir, c'était excellent, mais c'était excellent. Là, à jouer, c'était vraiment très très bien. Les 1000, c'est impossible, mais le serveur va être quali, t'inquiète, ok. Ah, il vous l'a dit ? Ouais, il m'a promis de belles choses, donc on verra. Yashiru, s'il te plaît, arrête de rager pour ça, s'il te plaît. Monsieur Leblanc et Guy Georges, ouais. Ah ouais, mais moi j'étais Johnny quand j'ai appris après derrière qu'il a... Bah après il s'en foutait, tu vois, il s'est fait bannir. Bah le serveur, on est tombé sur des mecs un peu en égo, qui étaient là pour les filles du serveur, malheureusement. C'est ce qui arrive souvent sur dans le monde du RP. Et du coup, lui il est parti, il a ragé quoi. Il a ragé, ce qui est, il a eu raison, hein, parce qu'au final nous aussi on s'est... Rouille, c'est toi ? Ah merde. Stalker ? Putain, mais les gars... Oui, salut, enchanté.
Oh putain, merde, je m'amuse. J'ai mal aux jambes. Ça doit être Greg, ça. Oui, bah, quand c'est comme ça, il faut que tu essayes de... Essaye de penser... non, pense à rien. Essaye de revenir, tu vois, tu reviens, quoi. Tu fais un aller-retour, quoi. T'as compris? Je vais faire ça, je vais faire ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, allez, à tout de suite, allez, viens. De toute façon, je pense que tu sauras où je suis. J'ai l'impression que t'as l'air d'avoir un sixième sens, toi. Bah ouais, bah il est ambitieux. Enfin, c'est pas 1000 slots, c'est 1024 slots. Il a dit. Ouais, c'est Greg, ça se voit à la taille du... Ouais, ça doit être Greg. Oula, attends, il y a un noir qui... Combien? Attends, je vais voir si... Et là... Oui, allez-y, vous étiez en train de commencer quelques notes. Da-da. Vous êtes libéré, affranchi des douleurs, et aujourd'hui vous avez du travail et vous êtes bien intégré. Ouais, 1000, non. J'apprécie ce que vous faites, monsieur. Je vais vous laisser une petite pièce. Comment on fait prendre une petite pièce? C'est quoi les énigmes? Ah, peut-être recharger le skin, c'était... Voilà de ce que ça m'inspire, votre musique. Allez hop. Oh. Oh. Continuez. Vous jouez divinement bien, allez-y, continuez. Oh oui, ça bande dur, ça. Une heure de RPPNJ vaut mieux que 10 minutes de RPFR. Après les mecs, vous allez voir ce que c'est que le RPFR. Vous allez regretter le RP que je fais avec des PNJ, hein, je vais vous assurer. Hein. Ce qui est bien, c'est que ce soir, on pourra faire la comparaison. Après, qui sait, on trouvera peut-être sur des bons joueurs. Voilà, regardez, sur les mains, regardez, chauffe la bite. Regarde, sur les mains. J'ai pas vu qu'il faisait ça. Ça. Allez, dernière goutte, c'est pour le slip. J'avais pas vu qu'il avait... Putain, c'est excellent, ça. Genre, il le tente sans les mains comme moi quand je pisse. On l'a tous fait, les gars. Ou alors suis-je le seul? On l'a tous fait, non? Sans les mains. Bon, vas-y, Greg, il faut qu'il vienne, là. Le military RP anglophone. Ouais, mais le RP anglophone... Attends, il y a peut-être un mec là-bas. Monsieur, il veut quoi lui? C'est un gars? C'est un joueur? Attends, je vais prendre son arme. Tu vas prendre. Les branchés. Oh putain, t'es de là. Attends, je vais le fouiller, les gars. Ah merde, c'est dommage ça. Ferme ta gueule, t'as rien vu, ferme ta gueule. Allez, dégage. Bon, vous savez quoi, les mecs? Vous pouvez... J'allais dire carrément aller sur le Discord du serveur et... et vous demander où ils sont, là. J'en ai marre, là, d'attendre. Les mannequins pisse. Et voilà, on les libère, ils sont plus pissés. Ouais, calme-toi, Johnny. C'est pas parce que c'est un peu plus libre sur YouTube que... Les mecs, ils ont...
J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, à limite, c'est beaucoup mieux que je stream sur YouTube que sur Twitch. Une minute en vie tout en étant en recherche F1 pour voir les détails. Attendez. Valentine, donc vous êtes sûr qu'à Saint-Denis, il n'y a personne? Après, les gars, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur ce serveur. Rappelez-vous, les gars, qu'on était avec Doofy. Avec Gutam. Valentine, c'était pas la ville, là, où c'est parti en couille la dernière fois. Avec la meuf en ego et tout. Par contre, sur Red Dead, les gars, vous êtes d'accord, on a jamais vu autant de meufs, hein. En RP, hein. Limite, c'est moite-moite, hein. Disons qu'on y trouve notre compte sur YouTube. Ouais, YouTube est égal liberté de... égal... Et est-ce que parmi vous dans le chat, les gars, parce que je sais que ça arrivait souvent sur mon stream, parce qu'il y en a qui sont un peu dégénérés. Est-ce que pas dans le chat, là, vous avez des comptes sur Twitch? Est-ce que vous avez déjà fait ban votre compte sur Twitch à un mec, un bâtard qui vous a report ou... qui vous a report votre compte? Même pas, c'est même pas un compte streamer, mais un compte viewer, tu vois. Parce que je sais que ça arrivait souvent sur mon live que des mecs, ils se faisaient bannir leur compte, carrément leur compte viewer. Là, c'était dingue, ça. Tu trouveras personne arrivé en un event. Ah, bah dis-moi Arcusas où vous êtes. Attends, il y a un event, Attends, il faut juste qu'Arcusas me dise. Tu me trolles pas, hein. Banni 7 jours, ok. Nope, ok. Bah ça va, vous êtes sage en fait, en général. En deux reports, tu peux le ban. Je suis ban def sur un seul report. Bah toi, t'abuses, toi. En fait, même quand tu DM un mec, que tu l'insultes, etc., si le gars il screenshot. Si tu l'insultes, des insultes vraiment violentes, genre racistes ou vraiment du harcèlement ou je sais pas, mais le mec il peut te faire sauter ton compte Twitch facile quoi. Bon, tu peux toujours faire des bans, mais ça mettra 6 mois ou voire 1 an. Hein. Chewbacca, ouais, après c'est, pour moi c'était mérité. Bah d'ailleurs, je sais pas si je crois qu'il a été banni du Discord, non? On a appris, putain, ça m'a étonné de lui qui. Bon, c'est pas du scam, mais. Ouais, c'est presque tout comme, en gros, il incitait les gens à parier de l'argent, en gros, putain, merde. En gros, dans le Discord, il avait carrément un channel dédié, les mecs. Bon, on l'a supprimé depuis, où il envoyait tout, il mettait les screens de ses gains et il modifiait, en fait, ce bâtard. Et un jour, il s'est fait griller, mais comme un con, quoi, parce qu'en gros, il avait mal calculé, il s'est fait griller comme un con parce que le multiplicateur c'était pas bon quoi. Bon, c'est pas un drama, c'était rien. Mais comment il a pu. Ah ouais, pour vous, c'est... Ah oui, il vous a scammé vraiment? Il vous a donné des calls et vous avez perdu de l'argent à cause de lui? On apprend des meilleurs, on utilise d'autres comptes. Bon, vas-y, s'il y a personne là-bas dans la ville. Attends, je vais voir si je peux pas couper à travers champ. On peut faire un petit tout droit ici. Non mais c'était obvious. Apparemment beaucoup de gens le savaient quand même. Ouais, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les gens ils s'en foutaient en fait. Je crois qu'ils vous le laissaient dans son channel à faire ses conneries. Bon, il y a peut-être 2-3 qui communiquaient avec lui, mais je crois que la plupart des gens vous en foutaient quoi. Vous saviez déjà à la base que le mec, ça se voyait que c'était un rigolo et qu'il faisait n'importe quoi. Ah, t'es pro parieur sportif, ok. Bah là, ça qui nous dit ça, je sens que ça sent le mytho, mais bon. C'est un métier sérieux, ça existe, des pro parieurs. Et tu vis de ça. Je pensais que c'était un troll, c'était flagrant le fake. Ouais, il faisait rire, mais bon, c'est vrai qu'il a une gueule qui fait rire, c'est vrai. Ça on peut pas le nier. On peut lui laisser ça, ouais. Chewbacca, il s'est fait ban de chez IMBAP. Ah ouais, il a vraiment, en fait, je pense que c'est le ban, hein. Il a pété un câble, hein. Mais même quand j'étais sur Twitch, il se faisait régulièrement ban son compte, hein. Ouais, bah là ça, comme dit notre ami Gregs, mais Gregs, calme-toi, ce qu'il a dit, ou FTG frérot. Ouais, monte les preuves sur le Discord et éventuellement, parce que sinon on te croit pas gros. Hein. Il y a bien des pros au casino. Ah ouais, c'est vrai que quand on y pense, ouais. Moi je pense qu'il troll, vous voulez qu'on le théo un petit peu ou pas? On lui mette un petit 5 minutes pour qu'il comprenne qu'il fera pas la loi ici. Bah, mets-lui 5 minutes. Parce que c'est vrai que c'est pas les mecs.
Je crois que je trouve que ça irrite tout un chat quand il y a un mec qui annonce des mythos comme ça sans preuve. Alors peut-être que c'est vrai, mais c'est vrai que des fois les mecs ils ouvrent leur gueule dans le chat, ça irrite plus qu'autre chose. Et j'ai remarqué ça sur les autres chats. Quand t'as un mec qui part en mytho et tu dis ah putain, en plus il ment et tout, il dit de la merde, il est pas cohérent, il est pas sub en plus, comme dit la vraie Mimimati, exactement. En plus, souvent c'est ça. Les pseudo-riches du chat. Bon, à la limite, il aurait été abonné, peut-être que éventuellement on aurait. Ah, bah, peut-être que t'as de l'argent finalement, parce que vu que t'arrives, t'as les moyens de t'abonner à cette chaîne, peut-être que. Alors peut-être. Il a dit fin août, début septembre. C'est un PNJ ? Oui, il est en train de me parler. Oh merde. Putain. Ok, merci Skittles. Salut Mulder. Muldy, non, mais le retour de Mulder, les gars. On l'a évoqué en plus sur un live dernièrement. Comment il va, Mulder ? Ça fait plaisir de te voir sur YouTube. Si vous voulez vous tenir au courant, est-ce qu'on a mis les notifs sur Discord, les gars, pour les prochains lives? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se plaignent de rater mes lives, de pas avoir les notifs. Il faut qu'on trouve une solution là. J'avais un gars qui vient, faut que il m'a laissé l'extension, je l'ai même pas mis en place. Il m'a dit qu'il allait me faire l'extension Chrome et Firefox. Au pire, vous vous abonnez, enfin vous followez la chaîne YouTube et vous mettez la cloche, hein, non? Comment vous savez quand je suis en live, les gars, par Twitter, Insta, sachant que je suis pas très actif dessus, ou YouTube, la cloche? Non, ils ne sont plus de quoi. On doit les mettre à la main. Ah. YouTube, notif sur le tel, YouTube, la cloche. Ok. J'essaye d'alerter sur Discord quand je peux, merci Tnerolf. Via Discord. Ouais, mais Discord, faut-il encore qu'un mec y pense, ouais, de faire tourner le live? Parce que moi, ouais, des fois, je le mets pas en message all. Allez, tiens bon. Le débat de Twitch, normalement. Alors, je pré-shot. Je me dis qu'en général, il ban. Il y a un gars, il y a un russe qui s'est fait ban. Pour insulte envers, enfin il a désigné les juifs avec un mot péjoratif. C'était un gros streamer par contre. Après je sais pas si ça joue beaucoup. C'est un streamer ukrainien. Il s'est fait déban au bout de 6 mois. Et en général c'est ça. En général c'est au bout de 6 mois que t'es déban, quoi, quand c'est des gros trucs. Donc 6 mois ça tomberait à mi-octobre. Mais moi je ne pense pas. Je pense que ça attendra. Si c'est pas en octobre, ça sera peut-être 2-3 mois après, le temps qu'il regarde mon mail, mon support, mon appel, parce que j'en ferai un autre en... Je pense que je le ferai début octobre, j'en ai déjà fait un, mais ils m'ont toujours pas répondu. Et en fait, le jeu, c'est pas de spammer, quoi. Le truc, c'est pas de spammer, sinon ils vont voir que... Parce qu'il y en a... Yumikon, il m'a dit qu'il y a des gens, des fois, qui spamment de ouf. Et eux, bah, ça passe un peu à la trappe. Donc on va prendre notre mal en patience et on va faire ça... On va faire ça en octobre ou fin septembre, parce qu'ils mettent tellement de temps. Moi, par exemple, moi, ils m'ont averti, ils m'ont rien laissé comme message concernant le ban, parce que je sais même pas encore exactement laquelle raison c'est. Et il faudra attendre, quoi. L'intérêt, L'intérêt, c'est en gros sur YouTube. Alors je sais pas, d'ailleurs dans le chat, dites-le moi dans le chat s'il y en a qui viennent de découvrir et qui n'ont jamais entendu parler moi sur Twitch. Ils m'ont découvert sur YouTube, mais j'en doute, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Mais s'il y en a, manifestez-vous dans le chat. Merci Yacine Abou Daoud. Ah, je te passe le salam, frérot. Merci beaucoup Yacine, c'est gentil. Merci beaucoup pour l'abo. YouTube, membre ultra. En gros... Mais on n'est pas en 144p, Fiu, on est en HD 1080p. En gros sur Twitch, ce qui est bien, c'est que comme c'est le monopole et tout le monde va dessus, bah en gros ça brasse les viewers, quoi. Il y a un turnover, quoi. Des viewers. Donc tu peux potentiellement avoir des nouveaux. Alors que sur YouTube, je sais pas s'il y en a, dites-moi, hein, ça se trouve, peut-être que je me trompe, même si mes follows ça augmente. J'ai remarqué que petit à petit, Zeni pourra vous le dire, je crois qu'on a pas mal augmenté hein, ces derniers temps. Après, c'est peut-être parce qu'on a basculé les streams sur... Ah, s'il y a des gens là-bas.
Ok, c'est bon, attends, on va pouvoir jouer. Nickel. Des bisous d'Algérie. Non, il vient d'Algérie. T'es où d'Algérie? Force à vous, hein. Je sais qu'en Kabylie, paraît que c'est pas évident là avec les nouvelles, les chaleurs là. Il y a eu des incendies. Showtime. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, vous, monsieur. Oula, vous avez une petite toux. Oui, je viens d'une grosse bagarre près de Strawberry. On a repoussé les Mexicains. Bah, j'ai raté quelque chose. Je peux pas les blairer, ces gens-là. Ouais, bah, vous auriez été bien utile, alors. Très bien. Vous savez où je peux trouver un point pour m'abreuver? J'ai un peu soif, il est soif, c'est un peu chaud. Il y a une rivière en contrebas, monsieur. Vous voulez que je vous accompagne? Très bien, attendez, peut-être que je dois faire quelques petites formalités, je vois ici. D'accord. Ce que je peux voir, ce que si je peux faire. Super. Messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oulala, là, j'ai l'impression que toute votre équipe, vous êtes mal en point. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vraiment dégusté ou? On a été pris en étau, on s'est fait avoir. S'il faut attaquer pour des Mexicains, nous. Les Mexicains, quelle sale race. Si vous comptez réitérer l'attaque, faites appel à moi. Je me présente, je suis Eddie. Eddie Larouille. Ah, je pense que on se connaît, monsieur Larouille. Ah oui. Allez-vous depuis le temps. Oui, c'est vrai, ça fait un temps, je suis pas passé dans ce coin. Je comprends avec ce qui s'est passé à l'époque. Il comprend. J'espère en tout cas qu'ils n'ont pas touché à nos femmes. Ça va être mon trophée. Oui, regarde, les gens ne veulent pas savoir. D'accord, très bien. Mais tu me caches. Mais comptez-vous les attaquer prochainement, dites-moi. On les a repoussés Strawberry, donc on a réussi à récupérer la ligne. Il n'y a pas d'autre attaque de prévu, monsieur Larouille. D'accord, très bien. Mais restez sur qui vive. Faites attention. Une attaque peut vite arriver. Je voulais vous abreuver, monsieur Larouille, vous avez une rivière un peu plus bas. D'accord, très bien, mais j'irai. Oui, madame, vous vouliez. Enchanté. Non, rien du tout, monsieur. Oui, je suis enchanté, je suis Bicha, et vous? Enchanté. Votre action, je me présente, je suis Eddie. Eddie Larouille. Eddie Larouille. C'est quoi ça? Vous faire quoi, David? Attendez, vous êtes... Vous devez certainement connaître Doofy. Qui ça? Doofy, c'est mon acolyte. Malheureusement, j'ai perdu sa trace. Oui, Doofy. Doofy? Non, je ne le connais pas. Il ressemble à quoi, Doofy? Il ressemble un petit peu à vous. Je dirais qu'une peau, c'est une peau mate, oui, comme ça, un petit peu. Qui fait un peu schlag. Non, je l'ai perdu de vue. Mais bon, c'était pas grave. Et sinon, vous venez d'où? Oui, je viens de ci et de là, monsieur, hein. Je suis tzigane, je vais là où le vent me porte. Une tzigane, d'accord, très bien. Bah, je ne connaissais pas cette ethnie. Et vous, monsieur, vous en êtes, c'est ça? Eh oui, tout à fait. J'ai fabriqué une cuvette pour troupe. Oui, Matko est le spécialiste de la cuvette. De la cuvette? Et vous faites les meilleures cuvettes du monde. Oui, je fabrique cuvette, plus belle cuvette, magnifique. Oui, il a fait la cuvette. Il a des relents de... Oui, comment il s'appelle, la boulette? Oui, exactement, et aussi en Angleterre, pour une grosse fesse soyeuse. D'accord, c'est-à-dire des cuvettes, des chiottes, quoi, vous faites? C'est la cuvette, ça peut servir pour plein de choses, hein. Ouais, cuvette sel pour mettre sur cheval. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Cuvette chapeau, ouais. Pouvoir ouais, continuer à faire cheval pendant un jour. C'est très bien pour la gueule, hein, c'est très pratique. Ouais, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est con, j'ai l'impression que je me rends compte faire avoir par des gens schlagués. Allez, continue à parler grognard, ça m'intéresse. Oui, cuvette... forme un peu pointue. S'il arrête de monter la guerre, je lui cartouche sa meuf, s'il continue son culé. Donc si vous avez besoin de la cuvette, il faut aller voir Matko. Oui, tu peux, je fais cuvette. Ah d'accord, très bien. Mais pour l'instant, je suis sur domicile. Oui, de votre ami, vous savez, vous devriez nous consulter. Nous avons quelques dons de divination, nous pourrions vous aider. Vous savez, madame, j'ai connu des gens comme ça qui vous ressemblaient. J'espère vous en êtes sûr que c'est pas comme eux. C'est-à-dire que quand ils s'approchaient de moi, à chaque fois, il me manquait quelque chose dans mes poches. Non, nous ne sommes pas les voleurs. Non, je vous propose mon aide. Oui, alors allez-y, proposez, oui. Moi, je vous propose simplement que l'on vous tire le talon, l'aider, oui, pour vous aider dans votre quête.
monsieur Palmer. Vous voulez me donner de l'argent, c'est ça? Oui. Non, monsieur, je veux vous proposer de vous aider en vous tirant. Ah, c'est-à-dire que vous voulez me proposer vos services de charme, c'est ça? Mais non, pas du tout, monsieur. C'est le service de divination. Vous êtes venu à l'attaque du Strobili? Je m'en rappelle parce que j'ai. C'est-à-dire une consultation de divination? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Wapé, vous savez. Je sais pas savoir. Oui, ça veut dire 500. C'est quoi du DZD? Oh, il y a Nessou qui s'est abonné. Merci beaucoup Nessou, je te fais un gros bisou. Merci Nessou. C'est très gentil. Oui, oui, je peux faire aussi dans les gibiers si besoin. C'est-à-dire que vous allez me masser les pieds, c'est ça? Vous allez faire une sorte de massage? Non, je ne fais pas les massages, non. C'est des dinars algériens, par les gars. Contre, vous une 500 dinars, c'est la première fois que je reçois ça. Il vient d'Algérie, les gars. Ça fait combien? C'est énorme. Je sais pas ce qu'elle m'en raconte, elle. Comment? Moi aussi. Allez bien ici? Oui, moi je vais bien, oui, tout à fait. Oh, excusez-moi, je n'ai pas de cuivre. Il y a un mec sur les toiles. Ah non, monsieur, si vous avez le cuivre, si vous avez les casseroles, vous n'hésitez pas, nous pouvons les remettre à neuf. Je veux dire, vous n'aurez jamais vu quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Vous avez dit quoi? Vous avez utilisé le cuivre de cette ville? Oui, tout à fait, oui. Ok, c'est décidant. Okay. Oui, si jamais vous avez les casseroles, vous n'hésitez pas, vous nous le dites. Nous le mettons à neuf, oui, vous nous les ramenez, il n'y a pas de soucis. Ok, cette connasse, j'ai l'impression qu'elle me prend pour un lignard. Si ni plus ni moins qu'une sale rome, une sale clocharde. Yeah, elle veut du cuivre et le revendre pour en profiter, rentrer dans son pays, cette sale pauvre. Ouais, j'ai pas mal au ventre, mais ça va. Rendez-vous où à Saint-Denis? Voilà, il y a la tempête. Oui, il y a le glosolage. Ouais, attendez, je me mets à l'abri aussi. Merci. C'est normal qu'il n'est pas content, le Seigneur. Personne n'a fait la prière avant de partir. Et vous êtes croyante ou vous croyez en quoi, vous, madame? Bien sûr, monsieur, je crois au Seigneur, à la Sainte Maria, à la Sainte Sarah, bien sûr, surtout la Sainte Sarah. Qu'est-ce que c'est que ces divinités? Oui. Monsieur, vous dites pas que vous êtes possédé? Vous êtes. Je ne suis pas possédé, monsieur, pourquoi vous dites ça? Oui, monsieur, je me présente, je suis Eddy Larouille. Bah oui, je suis préfet, oui. Oui, bah oui. Vous êtes le préfet? Non, je suis le marshal, on se connaît, monsieur Larouille. Ah oui. On va aussi connaître monsieur Larouille. Oui, vous étiez avec Doofy, je vous ai dit que vous veniez son papa spirituel, etc., etc., dans ma cellule juste derrière là. Oui, c'est vrai. Ah oui, fut un temps, oui. D'ailleurs, j'ai perdu sa trace. En fait, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça va, vous n'avez pas été trop emmerdé? Non, ça va. On vient de récupérer Strawberry, et puis ben là, il y a une petite beuverie qui s'organise sur Saint-Denis, donc... Très bien, belle journée. Avant cela, moi j'ai besoin d'aller voir le camp de gitans. Ouais, ça marche. C'est une gitane, putain! C'est quoi? Vous accompagnera. Oui. Bah, on peut y aller après, Bichat. Ah oui, Strawberry plus tard, oui. Bon, pour tous ceux qui sont intéressés, c'est à la Bastille, à Saint-Denis. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va. Moi, ce qu'il a dit, l'Algérien! Plus tard, Mille des ZD, c'est quoi ça, les gars? C'est combien en euros, les gars? James a prévu quelque chose. J'arrivais pas à me sub sur Twitch parce qu'interdit depuis l'Algérie, j'arrose maintenant. Yacine qui régale, les gars! Payez quoi à boire? Oui, d'accord. C'est énorme, c'est énorme, c'est beaucoup pour lui, les gars. Merci, il va être rentré tranquille. Merci beaucoup, il régale, les gars. 1000 dinars algériens. Tu penses, Matko? Oui. Bon, c'est Matko le dit, alors je le crois. 6 euros. Tu sais bien, moi, Matko dit toujours la vérité. Ah ouais, merci. Oui. Merci beaucoup, ça me touche vraiment, l'Algérie est en force. Allez. D'accord, Matko. Nous irons demain, alors, Matko. Hein. Demain où? Et si vouloir que Wapi accompagne, Wapi peut aider. Oui, vous pensez qu'il y a encore le danger? Wapi, maintenant, on se rappelle de lui, mec, lui. Starbucks, si 2500 dinars algériens, je coupe le live. Oui, c'est énorme. C'est gentil de votre part. Tu te balades avec 40 billets pour acheter du pain. Fin de live. Marco est là, je ne m'inquiète pas, ça c'est sûr. Où était Attends, vous attaque de Strawberry. Ouais, puis ça me dit quelque chose, ça je vous ai déjà croisé, vous. Oui, nous avoir baladé ensemble à cheval pendant quelques temps. Oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'elle devient, votre... Je sais que vous étiez très très bien accompagné avec certaines filles. La petite indienne. Oui, la petite indienne, Kaliska. Qu'est-ce qu'elle devient? Kaliska avoir disparu de région, pour l'instant. Oh mon Dieu, j'aurais bien voulu mettre la main sur elle. Elle était si jolie.
Oui, mais petite fille de 17 ans. C'est le salon basté. 17 ans, tu dirais bien. Oui, très. On est pas, Marco. Il est sorti de son RB. Allez, allez, me faire un petit coup salon. Mais si, on ne touche pas aux mineurs. Comment ça? Et si ils sont élevés, comment ça, aux mineurs? Touche pas aux mineurs. Il n'y a pas d'âge, vous savez, quand il y a plus, il y a match. Je ne peux pas savoir. Ah, ça, vous verrez s'il n'y a pas d'âge. Les Indiens vous le confirmeront, et même les Noirs. Ouais, bah, ils, confirmeront, ils sont plus civilisés que nous d'ailleurs. Vous savez que dans tribu indienne, enfant de 10 ans, être déjà marié. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est vrai, j'ai déjà assisté à ça. Ils ont une coutume, ils font le genre de spectacle. On peut voir les certaines filles très jeunes. Il ne faut pas que je vous vois avec une mineure. Moi. Ça vous ne regarde pas si j'ai envie de déflorer une demoiselle de 17 ans. Ouais, 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 je vais vous effleurer moi avec mon fusil moi. Monsieur, qui êtes-vous? Merci, 5 dollars canadiens. Le shérif adjoint avec tel accoutrement, c'est moi rien. Mon Dieu. Là, j'aurais pas ma main droite blessée, je vous aurais empoigné là, je vous aurais foutu en scène. Vous n'aurez rien fait, vous avez pris une bande face aux Mexicains. Être pas le moment. Allez boire votre boisson ailleurs. Saint-Denis. Allez tous faites Saint-Denis pour oui, allons-y, féliciter la reprise de... Allons-y, oui, Wapiti, allez, on Wapiti y va. Wapiti va vous accompagner. Quand vous appelez-vous, monsieur le chauve à moitié, là monsieur le chauve, ouais, le monsieur le chauve à moitié, il n'a pas envie de vous répondre, monsieur. Vous savez, vous représentez la loi et vous n'allez pas me parler de la sorte, donc je vous emmerde. Ah ouais? Ah ouais? En égo direct. Ah ouais? Il manque de respect, depuis quand on manque de respect, monsieur, il a roulé. Ouais, ouais, oui, on a manqué de respect, vous. Et que je vous retrouve dans deux jours. Un peu de calme. Je vais vous mettre dans un peu de calme. Ouais, puis, t'as bien vu comment il m'a parlé, t'as bien vu. Il a pas à me parler de la sorte. Ah ouais, mais je vous parle comme je veux. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, n'importe quoi. Ouais, puis, avant, je ne vous pas à parler à ces gens-là. Un petit peu de calme. Oui, ouais, puis, t'inquiète, je me calme. Shérif, rendez-vous à Saint-Denis, faites. Oui, c'est ça, voilà, écoutez l'Indien, rendez-vous à Saint-Denis, arrêtez de nous casser les couilles, s'il vous plaît. Shérif, il est en égo là. Être mariage de James Bullock, donc venir là-bas. Mais j'arrive, madame. Mais bon, si je peux me permettre, monsieur le shérif ou le shérif adjoint, vous manquez de civilisation. Bah, allez vous acheter une tenue avant de manquer de civilisation, je sais pas quoi là. C'est la même tenue allez, avec laquelle j'ai maintenant. Oui, c'est vrai. Être terminé, non. Un peu de respect pour tout le monde et être. Allons-y, ouais, puis merci de m'avoir calmé. Vous savez, j'aime pas quand on me parle de cette manière. Et vous, monsieur Larouille, avoir être parti pendant longtemps? Oui. Où étiez-vous? Oui, je suis un petit peu éloigné dans le sud. J'ai travaillé dans des champs et j'ai côtoyé des Noirs. Je peux tout dire que ces gens-là, ils ont vraiment le sens du rythme. Ils sont vraiment très gentils également. Ils m'ont appris des chants. Notamment si un chant africain. Vous leur chantez, Wapi, écoutez. Ok, très bien. Mutado sabarana kweli dabora matati safari kwetu mutando sabarana kweli edilaru nanzi safari kwetu. Ah oui, être très chant très original. Oui, 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 ils m'ont appris ça, c'est sur des chants, voilà. C'est très très important dans leur coutume africaine de chanter, de danser autour d'un feu, un peu comme vous d'ailleurs. Oui, être vrai, dans culture indienne, toujours 2500 danser et chanter autour de feu de camp. 2500 Yacine qui régale. Et maintenant, il y a 500, il envoie. Et 5 dollars de francs, merci les mecs. Culture, et nous. Dommage que blancs ont pas même... même type de culture. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont l'esprit un petit peu borné, coincé. Regarde, et j'en apprends beaucoup en vous côtoyant, vous les Indiens. À vrai dire, j'avais des a priori vous concernant. Je pensais que vous étiez un peuple très primitif, trivial même. Oui, au final, vous avez le... Comment dire, vous avez un certain civisme par rapport à ces blancs. Vous savez bien vous comporter, vous respectez tout le monde. Vous savez, Wapi a vécu une situation très difficile. Et merci Franck, ça régale. Et maintenant, avoir obligé de suivre culture des hommes blancs pour pouvoir survivre. Oui,
Oui, je sais, vous êtes très très bien adapté. Vous n'avez plus à le faire. De toute façon, ils vous feront plus de mal. Je l'espère. J'espère que d'ailleurs, ça va. Vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas eu trop froid avec ces couvertures. Quelle couverture? Oh, laissez tomber. Je sais. Et c'est ce qu'ils ont proposé à des gens comme vous. Heureusement que vous êtes là. Vous avez survécu, vos ancêtres aussi. Ils ont tellement souffert. Je m'excuse pour ce peuple. Oui, peuple de Wapi, être tous tués par ancienne guerre de entre hommes blancs et tribus indiennes. C'est bien ce que je pensais, Wapi. Ça me foreroigne. Oui, j'aimerais tellement vous venger. Être fini, c'était il y a plus de 30 ans, Wapi, être seul dedans. 30 ans, mais c'est encore très récent, j'étais encore vivant. Ah oui, oui, bah Wapi aussi, Wapi avait 3 ans à l'époque. Et... Il y a un combat dedans ou quoi, Wapi les gars? Wapi a survécu seul, mais être guerre passée, aller de l'avant. Vous me sortez le Canada, les gars, contre l'Algérie. Qui va gagner, les gars, dans le chat? Il y a Franck qui vient d'envoyer 3$ et Yacine vient de surenchérir qui envoie 500 dinars algériens. C'est la première fois que ça m'arrive, les gars. C'est énorme. On voit les devises sur YouTube. Obligé de s'adapter pour survivre. Yacine qui a vendu sa babouche. Toi, par contre, tu vas prendre un Théo. Oui. Votre peuple a souffert. Comme les Noirs, je les ai côtoyés dans les champs de coton. J'ai travaillé avec eux pour ressentir leur souffrance. Et aujourd'hui, des gens comme lui, là, tu vois, ce blanc bec, mérite la mort. Non, pas dire ça. Oui, je sais, mais je suis un peu aigri. Pas bien de vouloir mort de quelqu'un. Je sais, mais regarde, je suis sur ses ancêtres. Ils vous ont maltraité, je suis sur ton père et son grand-père. Ont tué un des vôtres. Wapi pardonne? Car être. Oh, il pardonne, les gars! Passé, tout ça. Il a raison, Wapi, les gars! Je le suis ou pas dans son. Et obligé de pardonner, sinon. Jamais cœur de Wapi ou cœur de Monsieur Larouille avancer dans vie. Oui, donc, vous avez raison. Savoir pardonner. Ancienne guerre. Il est trop bien, et le mec! Accepter ce que autres personnes disent. Vous faites preuve d'une grande sagesse. C'est vrai que j'ai pas vu c'est dans sous cet angle. Vous êtes si gentil. Wapi a appris il y a peu de temps à être sage et... Qui a dit en direct de... Il y a Yacine qui est sur son puits de pétrole, vous êtes sérieux les gars? Faire de mal à autre personne. Bon attends, je vais mettre les alertes parce qu'il se passe des choses les mecs, c'est énorme. Sans alerte, depuis tout à l'heure on est en plus en donation silencieuse hein, les mecs, vous régalez les mecs, merci. Oh putain, et qui vient de rentrer dans la danse les gars? Il y a... Allez, quoi? Qui a envoyé 50 euros? Qui vient de calmer tout le monde? C'est Forage. Forage Gamer, la France gagne toujours. Allez, bye mariage. Est-ce que Yacine il est arrivé à 50 euros si on convertit tout en euros, les mecs? 500 pompage! 500 pompage! Il oublie les échanges du plastique contre du gold. Allez, bâtards. Pour l'instant, c'est Yacine est devant. Ok, et Yacine qui sur. En plus, on peut. Les gars, c'est full pognon. Merci Forever Edge, putain mais c'est incroyable, allez ça mérite une danse du cul. Si on convertit tout en euros, il arrive à 4 euros à peu près. Mais ferme ta gueule toi. Désormais. Mais attendez. Attendez, je suis à vous dans quelques secondes, attendez. Oui. Allez bien. Vous voulez voir un bout de cul les gars? Regardez-moi ce bout de cul, allez hop. Ça c'est du bon cul élevé au grain. Eh, ce soir j'encaisse. C'est ta mère la suceuse aux lèvres siliconées. Et la Suisse qui rentre dans cette guerre. C'est une guerre mondiale les gars dans le chat. La Suisse contre l'Algérie, contre le Canada, contre la France. Je sais pas qui est en tête, je sais pas, j'ai pas calculé au total combien ça fait. Ça faisait Yacine en euros, mais il y a un gars qui a envoyé. Merci Forever Edge qui a envoyé 50. Mais merci les. Et franchement sur YouTube vous déchirez les riz. Premier strike, non t'inquiète. En plus ils m'ont enlevé mon strike de la dernière fois à cause d'une folle qui avait porté plainte. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Merci Zavens Boldin qui envoie. Non mais Yacine, c'est bon. Gardez Dinar. Écoute pas les rageux, va voir toi-même, tu verras. Ouais, t'inquiète Dante King. Je pense que Yacine il m'a envoyé de. Non mais les gars, il y a Nessou. Non, pas Nessou. Il y a pas un mec, un arbitre qui peut compter au total ce qu'il a envoyé Yacine. Merci le Vidéotope qui félicite tout le monde pour les dons. Merci les gars, vous faites vivre le stream, faites vivre la famille. Et ça fait plaisir les gars, et franchement vous motivez les mecs. Merci beaucoup les gars, merci, ça me touche. Vraiment ça me touche, en plus on est sur YouTube, pas évident.
d'en bondir et là vous vous déchirez les gars. Mais Yacine, il t'arrive quoi? C'est bon Yacine, il a... En fait les gars, Yacine il était sur Twitch, il pouvait pas envoyer, il pouvait parce qu'il est sur Twitch, on peut pas. C'est vrai que les Algériens ils sont limités. Enfin non, façon de parler. Mais et là il est en train de tout libérer. Genre on vient d'arriver là. Oui, arrivé à Saint-Denis, mais encore quelques pas et être arrivé sur place. Shut the fuck up! Et mais souvent ces moments-là, ils commencent à avoir quoi les gars dans le chat? En plus, Franck, son avatar, il me fait plaisir, c'est référence à House Park. Oh putain, mais ça trouve que tu arrives, on a pas fait d'enfoiré, fiche ta pute, bagarre! Merci, l'année sous. Qui est toujours là, bien sûr, à soutenir. Merci beaucoup. Tu feras un gros bisou de ma part, Bitume. Et merci à Yacine. Merci au Québec. Le Québec est toujours là. Franck, qui m'arrose de sirop d'érable maintenant, il vient de me dire. Merci, les gars. Et l'autre danseur, lui, qui parle dans le vent. J'avoue. Il va pas y avoir de boulettes dans le couscous pendant 2 mois. Allez, bah. Vous pouvez descendre. Oui. On s'en occupe. Allez vous installer, hein. Alors. J'ai failli brûler. On fera boire une bouteille. Que puis-je vous offrir, messieurs? Quel accueil. Alors, du whisky, Wapi vous le laisse. Wapi va chercher les autres. Merci, Nessou. Je vous fais un gros bisou, c'est Kagan en famille. J'espère que tout va bien, Nessou. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? C'est de quoi, lui? Monsieur. Qu'est-ce que. Que puis-je vous offrir à boire? Attendez. Il veut quoi, le pige Renoir? Attendez. Merci, Yacine. Attendez. Il va se passer. On reviendra. Monsieur, attendez, je crois que je vais m'occuper de la sécurité parce que cette personne n'est peut-être pas habilitée à rentrer ici. Si, elle est habilitée à rentrer ici. Elle est habilitée, la personne travaille ici. Ah, d'accord, très bien, je pensais, désolé, alors si. Donc, j'en vais reposer ma question, est-ce que j'ai quelque chose que je peux vous offrir à boire? Oui, un whisky sec, s'il vous plaît. Ah oui. Du 2 ans d'âge. 2 ans d'âge, malheureusement, c'est un 3 ans d'âge, mais. Ça ira. Je suis ta chaîne de vie. Bon des charrettes, chef. Et votre acolyte qui travaille, c'est ça, il est en train de noter les invités, c'est ça? S'il vous plaît, monsieur, c'est bien ça. D'accord, très bien. Et comment ça se passe? Alors, vous pouvez noter, alors c'est Eddie, attends, toi savoir écrire, je suppose, attends. Bonjour, monsieur Strauss. Nana, tu vas prendre les. Eh bien, bonjour. Que puis-je t'offrir à boire? Alors, c'est une boisson offerte, hein. Oui, écoute, donne-moi un petit whisky. Et je suis mort. Et en plus, ça continue à faire des dons. Merci, les gars, vous déchirez. Vous déchirez, les gars, merci. Bon, on se concentre sur les RP, les gars. Merci. Et bois un petit verre avec nous. S'il te plaît. Voilà. Merci. Vous pouvez la prendre en main et aller déjà vous mettre tous là. Ah oui, il y a Nessou qui est pas modo. Faut que je la mette modo, j'avoue, parce que Nessou elle sera. Tu verras bien, allez tous vous installer là. Attends, c'est moi, il faut écrire à ma place, je sais pas écrire. Merci, Forêt. Et Macumba, je t'ai déjà dit comment on fait. Alors, tu prends ton stylo. Tu vas doucement avec ton stylo. Je dois écrire quoi alors? Je vais parler lui correctement, il est noir. Mais je l'ai pas correctement, c'est moi qui l'ai soumis de son champ. Bonsoir. Attendez d'abord, il note mon nom. C'est Eddie. Viens ici. Eddie, d'accord. Non, c'est Eddie. Eddie. E-D-I. Espace, je crois, il a la rouille. La machin. La personne écrit dit la rouille. Non. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoute-moi bien, malheureux. Alors c'est Eddie, tu mets un E juste avant, et ça ira très bien. Un café. Hello mate. Et y'a Bitumov, je sais pas lui d'où il vient, voilà, en tout cas merci, qui me régale, il m'envoie encore un nouveau don, merci les gars, vous déchirez. Alors monsieur l'allemand, oui, Fibi, t'as mis écrit, comme je t'ai appris. Mettez-moi un schnapps. Merci jeune noir, et quel était votre prénom alors du coup? Mamadou, c'est ça? C'est ça votre prénom monsieur? Je m'appelle Macumba, comme vous voulez. Ah, Macumba alors, très bien, merci beaucoup monsieur Macumba. Voilà, tu m'as laissé tout seul tout à l'heure. Bon, allez, les gars, Forêt Jever, les gars, il a mis tout le monde d'accord. Je sais, merci Franck, merci beaucoup, les gars. Le Québec me regarde, l'Algérie me regarde. Et ça, c'est beau. Je rappelle que Twitch m'a banni pour racisme, hein, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est. Pour la petite anecdote, oui. Bon, en tout cas, on voit que on partage de très bonnes valeurs, merci. Ça fait plaisir de voir tous ces peuples. Merci beaucoup, il met tout le monde d'accord les gars, il vient d'envoyer putain ce qu'il met les gars. Ce qui fucking quoi les gars dans le chat? On l'a pas fait depuis le début les gars. Ça ne change pas. Ce qui fucking quoi les gars dans le chat? Ce qui fucking quoi les gars dans le chat? Ce qui là. Sous pom pom. Je peux pas enlever la bille. Mais quand je... Merci Franck, c'est bon, merci, moi aussi je t'aime, merci les gars.
Mais il me faut aussi apparemment. Je pouvais pas monter sur le cheval. Oh, là, voilà. Non, je filme pas, c'est la voix d'Eddie Larouille. Quand ça fait longtemps que je l'ai pas faite, ça me défonce. Bon. Monsieur Larouille. Oui, 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 attendez, oui. J'ai tué. Oui. Y a pas de mal, si je peux me permettre, on va y avoir une petite cérémonie qui va nécessiter de s'habiller correctement. Vous avez de l'argent pour vous acheter des vêtements ou pas? Attends, il a signé que... Putain. Non, attends, mais... signe rien du tout, monsieur Larouille. Mais je veux dire, bon, oui, vous avez un verrou en guise de ceinture, monsieur Larouille. Oui, mais c'est parce que je suis solidaire envers le peuple noir. Mais c'est pour ça. C'est une juste cause. C'est une vraie chaîne qui a appartenu à Kunta Kinte. Je ne peux la quitter. Je ne l'ai pas connu, mais je ne doute pas que c'était un type brave. Cela dit, vous voulez pas vous changer, monsieur Larouille? Vous n'avez pas une petite veste alors pour moi? Ça suffira. Je peux vous donner un petit. Je prends l'argent ou pas, les gars? Un peu de quoi vous habiller si vous voulez, voilà. Il m'a donné 30$. Allez donc vous chercher des vêtements, monsieur Larouille. Ah d'accord, très bien, merci. Est-ce que c'est loin d'ici? Attendez. Non, c'est pas très loin, c'est à droite et un peu en haut, vous verrez. D'accord, très bien, bah, merci, je reviens. Il m'a donné voilà. 30$. Monsieur, ne vous en faites pas, je vous... Monsieur Larouille oh, attendez, je crois que j'entends la voix d'une fois. Venez, suivez-moi, j'ai la surprise pour vous, venez. Oui, oui, je dois aller m'habiller, on m'a demandé de m'habiller avec une tenue un peu plus correcte. Attendez, j'ai la surprise, attends, venez. Mais ils sont trop gentils sur serveur. Mais non, Eddie. Oui, salut. Mais je te cherchais partout, mon ami. Bonsoir. Je vous laisse entrer, vous, messieurs. Ah, d'accord, merci. Écoutez, t'as fait l'entrée, hein. Vous la voyageuse l'a emmené jusqu'à toi. Oui, c'est une très bonne gitane. Une belle concordine, comme tu le vois. Bon, je dois aller absolument récupérer un costard. Attends. 3 ans d'âge. Je trouve bien habillé, pourtant. Non, je sais pas. Il m'a dit que c'était pas une tenue correcte. Une simple veste sale à faire en hiver. Bah, monsieur Larouille, vous pouvez rester. Oui, c'est pas... Il m'a donné un billet, j'en profite pour acheter quelque chose. Ah, oui, d'accord. Être un peu plus loin dans rue, être au milieu de Saint-Denis. D'accord, très bien, bah j'y vais. Et l'idéal, garder les bouteilles en main avant de les boire. C'est moi ou le serveur en train de repartir avec Red Star? Tout le monde trinque ensemble. Bonsoir, monsieur. Allez, guide-moi, allez. Attaque tout. Les gars, les mecs, on a fait lui un test de virginité dans la caravane. Je sais pas si des animations Kenax sur ça. Je sais pas si on a droit sur YouTube le RP sexe. D'un côté, je pense qu'il y a des vidéos éducatives sur le sexe, donc je me dis sur YouTube, ils sont un peu plus cool là-dessus. Cool, ils seront cool. Vous trouvez que je suis habillé comme un schlag, les gars, ou qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais, sur ce serveur, on avait fait du bon RP et ils étaient cool, les admins, avec nous. Ils n'étaient pas comme les autres aigris, parce qu'ils comprennent pas le personnage d'Eddie Larouille, alors que eux ils comprennent. Qu'est-ce par là? Quoi, les gars? Mais comment? 5000, c'est combien? 5000? Quoi? Yacine, il a économisé pendant toutes ces années. Mais il est parti où? Merde. Yacine, je sais pas si... C'est une carte bleue que t'as utilisée, algérienne? C'est bon, il est endetté. 5000 dinars algériens. C'est 31€, les gars. Il dit, maintenant, il y a des gens qui vont s'amuser à faire des dons dans des devises étrangères. Bah, c'est un McDo pour deux. Il est en overkiff, Yacine. Monsieur, évitez de fumer. Voilà. On regarde pas comme ça. Il manque. Il a les mains pleines de sang, bordel. Oui, magasin, en fait, il est en haut. Ce qu'il a mis. Merci là... Yacine, merci beaucoup pour les 5000 dinars. Ah, vous avez trouvé mes amis, vous? Oui, on a trouvé mon ami, oui. Il va après on y retournera à la soirée. On a été invité, je dois simplement mettre un nouveau costume. Très bien, très bon goût. Bon les mecs, important là les gars. Écoute-moi, je voudrais une simple veste. Il met le Québec en sueur. Au total, il est à 60€ de dons. Ouais, c'est énorme. Merci beaucoup. Hein. Bon, après, celui qui a gagné, ça reste quand même... je crois celui qui a envoyé 2x50, la France. Nessou aussi, elle a apporté un petit peu... Ah non, mais non, Nessou, qu'est-ce que je raconte? Nessou, ça elle représente la Suisse. La Suissie. Bon, les gars, pour la tenue. Vous voulez des couleurs? Vous voulez vraiment un truc? La dernière fois, je l'habillais en clown. Il avait du rose dans tous les sens. Non, mais ça va être abusé. Ça va détonner un peu dans le décor de Red Dead. La Suisse. Il te lègue sa fortune, il est en train de cramer dans sa maison en Algérie. Quoi?
Mais en plus, on le voit là dans le chat, 10 000 dinars. Et il est en train de péter un câble. Eh, rassure-moi, la banque, elle est bien en Algérie, hein. Tu me fais pas un truc bizarre, hein. Merci en tout cas, Yacine. Mais comment? Non, mais il m'a fait, il me fait quoi, là? En plus, c'est via le super chat. Mais il... Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Il va entêter le pays. Le PIB l'année prochaine, ça va pas être ça. Putain, il a trouvé une carte bancaire par terre. Non, non, arrêtez de dire ça, les gars. Qui sait? Je sais pas comment c'est géré. Let me see you move. Skimmer! Ouais, ouais, I got those by you. Alors, je. Rassurez-moi, Zeni, rassure-moi sur YouTube. De toute façon, tout est clean. Y'a pas de problème. Non mais voilà, Yacine, moi je lui fais confiance. Les gars, je lui fais confiance. Yacine, il m'a gâté, les gars, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Bon, je pense qu'il a gagné au final, à mon avis. Là, il a envoyé 10 000 au niveau de la conversion. Je pense qu'on est à plus de 100 euros. Hein. Go, je t'ai mis. Je vais faire comme l'autre connasse, là, qui a demandé, vous avez vu, c'est parti en drama, Camille Lelouch, là, qui a fait un son dégueulasse. Enfin, elle est partie DM Messi en disant, ouais, donne de la thune. Putain, elle s'est affichée, mais elle est conne, elle. Donne de l'argent pour les... Pourquoi pour le vac... pour le Covid. 61 euros, ah ouais. Mais elle, c'est vraiment une bouffonne finie. Hein. Vraiment, pour faire ça, mais... Même Chewbacca... Non, peut-être non, lui, non, peut-être pas non plus. Mais même un Trollface n'aurait jamais fait une vanne pareille. Ah, il est même pas à 100 euros. Vous êtes sérieux? Ça fait 4... Vous êtes des gamins, les gars, arrêtez, il a des pas... De toute façon, il me le dira, Yacine, au total, ça représente combien en euros, il me le dira. Il y en a d'autres qui me le diront, hein. Mais je pense qu'il a dépassé les 100. Arrêtez de le troller, les gars, l'embêter. Merci beaucoup, merci, merci. Choukran. Choukran, Yacine. Yacine, en haut de son puits de pétrole, qui a dit ça dans le chat? Bon, les gars, qu'est-ce qu'on met? On met une petite cravate? Les gars, on va pas non plus s'habiller propre. La caméra. Non, Yacine, c'est Dieu qui donne, les gars. Merci, merci Yacine. Merci beaucoup Yacine qui en renvoie encore 5000. Ski fucking quoi, les gars, dans le chat pour Yacine, les mecs? Skimmer! Yacine, alors, c'est pas le salaire... Là, il me paye mon salaire, les gars, vraiment, parce que... Bon, sur Twitch, ça allait plus haut que ça. Mais là, sur YouTube, on est très très bien, les gars, avec Yacine. Hein. Merci beaucoup, je prends. Hein. Il a gagné au loto. Loto Mektoub. Le ramadan avant l'heure. Et voilà, ça fait 125 euros, ce qui met en billet algérien. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille avec les billets algériens? Merci beaucoup, Yacine. Bon, les gars, on va rater la soirée, les mecs, vraiment. Et vous en foutez du RP ou quoi? Je mets une chemise de couleur. Couleur ou pas, les gars? Moi, j'aimais bien quand j'étais habillé en salle. Ou alors, est-ce que je m'habille en pignouf? On rigole, mais ça représente une petite fortune en Algérie. Allez, bâtard. Des gamins. C'est un passeur de migrants. Eh, les gars, les motos, sérieux, on veut supprimer quelques messages quand même. Go cut et encaisse. Non, non, je vais continuer mon RP. Bah, ouais, c'est une belle somme. Vas-y, tu sais quoi, on va lui... Ah, ouais, j'avoue, les couleurs de l'Algérie. On va laisser ça. Il y a quoi d'autre? Il y a du rouge ou pas? Non, le rouge, c'est le Maroc. Mais c'est le vert et blanc, les couleurs de l'Algérie, non? Je mets un petit gilet ou pas dessus? Là, je suis dans les couleurs de l'Algérie ou pas? Vert, blanc, rouge. Ah, il y a du rouge aussi. Moi, ce qui me manque, c'est un manteau. Un manteau vert. Alors, on est bien, là. Il manque un peu de rouge. Le rouge, je vais le mettre dans quoi, alors, du coup? Dans les pantalons? Putain, ils m'attendent depuis tout à l'heure. En plus, pour l'event, je suis sûr et certain. Trop gentil. Comme ça? Non, c'est dégueulasse. Pas la peine, va au serious. Ok, ok, il m'a dit pas la peine, il s'en fout. Des couleurs de l'Algérie, il m'a dit... Ouais. Ça te va, ça, ou pas? Vas-y, je mets un chapeau ou pas? Je mets un chapeau. Attends, je mets quand même un petit chapeau. Vas-y, vite, ils m'attendent. En plus, ça joue grave RP, ils m'attendent. Vas-y. Un petit chapeau? Non, mais je suis chaud, faut autant laisser, quoi, non? J'assume ma chauvité ou pas, les mecs?
Ouah, ça change de ouf, Eddie Larouille. Non, là, on perd tout le pro... Là, on perd tout le pro... tout le personnage. Comme ça ? Non, non, peut-être pas non plus. Non, vas-y, on enlève... Merde, j'ai perdu mes cheveux ? J'ai chopé un cancer entre... Mes cheveux... Mes cheveux ? Bon, vas-y, on se casse. Là, c'est mieux. Plus trop. Mais non... Putain, je suis en QRT. Bien. C'est très blanc. Mais bon, j'ai pas me marier en noir. Bonsoir, madame. Oula. Bonsoir. Oui, je me présente, je suis Eddie Larouille. Je viens de changer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour une soirée. C'est coloré. Il y a beaucoup de couleurs. Bah écoutez, si ça vous convient comme ça. Oui, c'est pour rendre hommage à un ami qui habite très très loin, au-delà de l'Atlantique, dans le Maghreb. Eddie, qu'est-ce que t'as fait tes cheveux, bordel? J'ai dû choper, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais derrière la cabine, et je crois que j'ai voulu essayer quelques chapeaux et tout est parti avec. Putain, on est dans la merde, quoi. Déjà que t'avais une dégaine bizarre, là, alors. Bon, on va y aller. Ouais, let's go. Mesdemoiselles, mesdames. Messieurs. Putain, non! Non! Je vais pas rester comme ça, mes cheveux ils vont. J'espère qu'ils vont revenir. Je lui en mets une patate à lui ou pas? Encore en train de charo, toi. Ah bah, c'est fini. Coquetterie. Greg, et Grégouze, attends. J'espère qu'il y a pas. Il faut pas qu'il se roule quand même hein, sur le serveur. Faut que ça joue un minimum sérieux. Ou alors go full throw. Non, pas full throw. Non, franchement, on va essayer de faire un truc propre. En plus, regardez, ça me fait des taches dans le crâne. Vous en connaissez des mecs IRL qui ont comme ça des taches sur le, sur le crâne et tout. Oh putain, quand c'est comme ça, ça doit être dur. Moi, franchement, la chauvité avec un bon crâne bien lisse, bien propre. Mais il faut que ce soit homogène au niveau de la couleur, tu vois, enfin du teint. C'est quoi, c'est de la crasse ou c'est Ah ouais, non, je crois que c'est de la crasse en fait, je crois, non? Psoriacite. Il en cachait là. Je connais pas des gens aussi crades, non. À Tchernobyl, c'est la tenue règle. Oui, il faudrait peut-être se presser, ils vont peut-être pas nous attendre, on y va. On a deux, on a une attaque. 3, recharger le skin. Ah. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merde! Pourquoi je t'écoutais? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, c'est mieux. Vous êtes qui, vous? Oui. Si vous êtes, oui, très bon emploi. La maison en frein vert. Whisky, gin, tequila. Whisky. Et du Larouille, tu veux boire quoi? Whisky, gin, tequila? Ah oui, j'avais déjà commandé. Je voudrais un scotch, s'il vous plaît. Whisky, alors, il faudrait demander de garder la bouteille. Je comprends que vous avez du 3 ans d'âge. Ça ira très bien. Allons-y. Ouais, salut, Makumba. Ça va? Comment ça va, mon ami? Oui, ça va. Je suis parti chercher une tenue plus convenable. Ça te va ou pas? Voilà. Bonne soirée, monsieur. Moi, toi aussi, dans la buanderie, là. Et sinon, ta famille, tout va bien? Oula. Mais je travaille dans le champ toute la journée, y'a que ça qui me dit-on. Ou une petite gâterie de temps en temps. Bon, on va y aller. Bah oui, le PC. Et Yacine qui continue encore et encore, go Blue Label. J'ai déglissé l'éventail dans la poche. D'accord, merci. Bon, l'éventail. Ça fait très joli. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes. Bonsoir, messieurs. Comment vous allez? Ça va très bien depuis la dernière fois, je me sens un peu mieux, plus beau, plus propre. Oui, très beau. Vous avez une ceinture à citron, monsieur.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est normal, c'est la ceinture d'un esclave, un ami à moi, Kunta Kinte. Oh. Tu es son âme. Qui c'est que ça? Moi, j'ai souvié un esclave, il est lobo. On y va à la soirée, les gars? Oui, oui, si moi, demande-lui, tu viras. Ah oui, oui, sur RDR, clairement, Jean Certeau, hein. Ça joue bien, hein. Mais enfin, c'est des passionnés, ça se voit, c'est des mecs qui... de faire mieux que vos frères, mais ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est quand même mon frère. Ouais, mon cousin, haute. Pardon, oh là là. La barre est haute. Messieurs, dames, permettez-moi de me servir. Oh, oui, allez-y. Allez-y, bonjour, monsieur. Ah, monsieur Larouille, bien habillé. Bonsoir. Vous êtes bien habillé, monsieur. Oui, 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 on m'a demandé de faire un effort, c'est sûr que ça me sert un peu, mais... ça vous met en valeur, ça vous met en valeur. Ah, il a le même manteau que moi. Il est pas mal ce manteau, j'aime bien. Oui, il a l'air de bien me tenir, j'ai l'impression qu'il me cintre bien, ça va. Ouais, vous êtes bien cintré. c'est le peu oh putain. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous, calmez-vous. Il est où le service d'ordre ici? Il est où? Je suis pas ici. Je suis ici pour me faire agresser. Ah, moi non plus. Je ne fais que défendre les citoyens. Toulou, l'ami. Calmez-vous, vous allez finir comme bon. Tout le monde est prié de s'asseoir sur chaise. Ah oui, j'essaie bien. Vas-y, vous, là, c'est des chaises, messieurs, dames, là, s'il vous plaît, hop, hop, hop. Vas-y, beaucoup. On a des chaises à être attribuées ou pas du tout? Non, pas du tout, tu t'installes où tu veux. Dans quoi je me suis mis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai l'impression qu'il y a... C'est un genre de dîner de con. J'ai pas envie d'être le con dans cette histoire. Bah, je prends votre place, hein, excusez-moi. Oula. Comment ça se voit là? Comment ça se voit là? Putain. Vous allez vous asseoir, monsieur? J'essaye, mais j'ai l'impression. François 4. Non. Qui est la personne qui a demandé? Excusez-moi, voilà. Oui, il y avait une mouche. François 4, François 4. Oui, attendez, je vais essayer. Tu disais? Oui. Alors, François 4, tiens. Je vais relâcher, excusez-moi. Calmez-vous. Je vais m'asseoir. Mais ça marche pas, moi! Ça me met la mouche. F4, c'est ma chaîne. C'est quoi votre nom déjà? Paco. D'accord, mais c'est putain, F4, c'est ma chaîne, c'est ma touche Steam là pour avoir l'overlay. Allez, fais ton petit François 4 et ça, ça ira nickel. Attends. Et ne me parle pas sur ce tour, hein? Oui. Monsieur Larouille, calmez-vous, on n'est pas là pour s'y battre. Oui, non, non, c'est bien, ok. C'est Guy qui m'a étranglé en premier, moi j'ai rien fait, ouais. Moi je vous ai rien fait, moi il est trop vite, j'étais assis. D'accord, moi je propose que les Indiens préparent le barbecue. Attends, nul toi, à un moment donné, j'ai rien fait, c'est bon. On se calme, c'est pas là qui de toute façon, j'ai des hémorroïdes et je me suis fait les croiser, je peux pas m'asseoir. Passe trop ça, monsieur Larouille. Ah, on va être tranquille. J'essaye de m'asseoir, il veut pas, putain. T'es vraiment perché, Edgir. Ça va finir par me faire rire cette histoire. Mais comment on sait? J'ai envie de patater tout le monde, les gars! Alt F4, t'es sûr? Vu qu'on est beaucoup. Regarde là cette putain de chaise! On est nombreux là! Putain, oh, c'est quoi, putain? Je sais où je vais me mettre. Moi je m'en fous, je risque du bruit. Bon, bah voilà, bah ça c'est. Tu veux ma chaise, Edil? Oui, il me plaît-il, oui. Écarte-toi. Ah bah vas-y, laisse-moi m'asseoir, laisse-moi aussi. Pousse-toi si tu veux. Mais j'arrive même pas à m'asseoir en fait. Regardez. Je sais, regardez. On séparera au pire ceux qui veulent pas s'asseoir. Excusez-moi, désolé. Il y avait une mouche sur vous, désolé. Mais oui, c'est une grosse mouche. Mais j'ai fait que de taper sur moi. Non. Une mouche avec sa boîte, il faut que ce soit une sacrée mouche, hein. Excusez-moi, désolé, j'ai opéré un verre. C'est une mouche topée à la mouche. Pas de problème alors. Si toi payé verre, alors moi vouloir bien deuxième claque. Ils sont trop patients, contrairement à l'autre serveur.
Ah, oui. Elles sont confortables, les chaises. Dommage que vous ne pouviez pas s'asseoir. Vous. Mais... Attends, elle a les pieds secs, elle Moi, d'accord. C'est la chaise qui refuse votre bouton. Madame, fessier, monsieur. Oui, oui. Je me présente, je suis Edilard, et puis-je vous offrir à boire? C'est, alors, c'est quoi votre nom? Vous n'avez pas de... Oh, mais vous, si vous n'avez pas de chaussures, vous voulez que... Non. Mais c'est une position inconfortable pour vous, madame. Vous voulez que... Je crois qu'il ne me reconnaît pas, Charles. Monsieur, venez donc vous asseoir avec nous. Attendez, oui. Mais vous êtes le médecin, non? Oui. Monsieur, je me souviens de vous. Vous m'aviez aidé par le passé. Ah, c'est elle. Effectivement. Mais pourquoi vous aviez les pieds secs? Elle les a toujours. Toujours. D'accord. Et puis c'est une forte odeur quand même. Hein. Alors là, je suis pas d'accord. Ça, c'est faux, pas. Ah oui. Vous devez avoir de la corde, mais c'est pas grave. Doufi avait des choses pareilles. Vous êtes très bien, merci, oui. Monsieur. Donc elle est capable de marcher sur des charbons ardents. Non, j'aimerais bien lécher les pieds secs d'une meuf. Je suis tirée, mais non, tu ne dois pas. Après, tu dois tirer. Tu te... Non, je peux pas faire ça. Crise de foi, hallucination, il termine un mec. Non, je peux pas. Attends, par contre, je peux terminer un mec bourré. On applaudit la mariée, allez. Ah, la mariée, elle est où? Ah. Ah, elle arrive, a priori, elle arrive. Pas comme quoi, quand même. Félicitations, vous avez une bien belle bonne femme. Ouais, merci bien, monsieur. Oui. Et vous, félicitations. Vous êtes marié, c'est ça, c'est vous les mariés? Oui. Ce soir, oui. C'est vous qui avez organisé ce petit banquet. En tout cas, merci de m'avoir invité. Allez, monsieur. Oui, allez, y a c'est pas bien. De problème, y a pas de problème. Lissez-les, monsieur. Ce qu'on va faire, c'est que non, non, y a personne qui gâche rien. Hein. Eh ben, oh, oui, vous voyez, il gâche rien du tout. Il a tourné. Ah bah, c'est en fin de mois. Merde. Eh ben, ça allez. Putain, il a encore trop de bordel. Merde, j'ai pas regardé, les gars. Mais vous pouvez pas surveiller. Je vais jouer un petit air de guitare, si vous permettez. Hop là. Oui, non, mais. Désolé, ça fait. J'ai une absence. Vous m'avez relevé. Bougez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu d'eau? Il y a Paco aussi. Vous êtes là. Ils tombent tous comme des mouches. Docteur, merci, docteur. De rien. Je me sens pas bien, bordel. Si l'exploration m'a bien appris à une chose. N'hésitez pas à boire à manger. Je me sens vraiment mal là. C'est comment qu'on mange déjà? Ah là là, ces Américains, ils savent pas boire. Eh bah. On fait trois. Je suis bien d'accord avec vous. Comment on mange, les gars? James, il va falloir quand même les rendurcir un petit peu. Attends, je vais terminer un mec bourré là. Et boire pour tout le monde car fait chaud ici. Il faut qu'un mec y. Allez, on se lève. Encore, merci. Allez, bougez pas. Pour répondre, c'est démouchant ou quoi? Comment on fait pour manger? C'est quoi le. Allez boire et manger juste avant, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais bien, mais attendez, oui. Hop, je vais mettre ici. Bon, attention, monsieur Larouille, hein, c'est chasse gardée, Barbara. Voilà, c'est bon. C'est-à-dire chasse gardée, vous êtes qui pour dire pardon, ça? Pardon. Je suis son conjoint, monsieur Larouille. Ah. Eh, vous arrivez pas. Allez. Ah, vous habitez tout le temps. De toute façon, je ne suis pas jaloux. Vous savez, dans certaines contrées, il y a de la polygamie. Oui, c'est vrai. Mais je suis pas trop sur ce bord-là. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à aller boire et manger juste avant. Mais elle saura être équitable dans l'amour. Je respecte les. Je vous trouve vraiment mignon. C'est qui ce. Vive les mariés! Oui, mariés! Ah, ben vive les prochains mariés! Il est où le prêtre là? Monsieur Paco, si vous voulez servir des boissons aux gens. Et j'ai déjà servi des boissons en fait. Il pue la suce ce serveur terminé, non, il faut pas non plus trop. Il faut trop quand il y a un mec qui fait vraiment de la merde. Là pour l'instant j'ai rien vu de flagrant de merde. Ça va être compliqué. Mais par contre ce qui me fait chier c'est que j'arrive pas, je sais pas comment manger quoi. Voilà, venez ici à l'escalier, je vous sers. Calme-toi, Eddy. Alors, j'ai un très très bon jean. Votre nom c'est. Matko, s'il vous plaît, à votre santé. Comment on dit pour les mariés dans le christianisme, faire les le truc là, pas le bénédicité, mais très très bon jean bien frère, faire les alliances, je sais pas quoi là. Comment on appelle ça chez les chrétiens? Oh non, je l'ai donné à Matko. Oh là. Il y a crété. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, mais j'ai pas regardé ce qui s'est passé sur les TT et Bart. C'est pas grave, il l'a attrapé en plein vol, c'est bien. Il a des réflexes. Dis-moi. Je suis très heureux, moi. Oui. Non, pas le porteur d'alliance. Au pire, j'ai du whisky. Demande-leur comment ils baisent, non? Ah, la rose, venez ici, vous savez moi. L'union. Bah, James, elle est très belle. Félicitations à vous. Vous avez prononcé les vœux. Si vous voulez, je pourrais. Madame, si vous voulez, je pourrais être votre témoin. Il va voir la note, il va pleurer. Je me présente Mathieu, du coup, cousin de James. D'accord, je vais lancer les vœux de mariage.
Non, non, ça ira. Alors non, une à la fois. Ça ira, une deuxième alors. Fois, ça ira. C'est-à-dire, ça ira. Mais il n'y a personne qui les a fait depuis le début, on attend. Ah, mais ok, c'est parce que ça n'a pas commencé. On attend. Ah, très bien. Il est où le prêtre là ? Un à la fois. C'est quand qu'on peut picoler ? Je peux avoir deux bouteilles, moi ? Promis. Si vous allez voir Monsieur Paco au fond là-bas, il donne des bouteilles, s'il vous plaît. Mais il est bien l'event, mais vas-y, faut que ça avance, alors, putain. Faut que ça avance, là. Lui, il est où, le prêtre, là. Venez, on le tue après, Charles, derrière. Vous allez pas m'embêter, quand même. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans mon cousin? Psst, madame, si vous voulez, je peux être votre témoin, si vous voulez. Madame. Je vous ai donné un whisky. Eh bah, il tourne de l'œil. C'est dans votre tête. Comment on fait pour bouffer, putain? J'ai pas bien entendu votre question. Du coup, vous avez vu quoi dans le cœur de mon cousin, exactement? Oula, beaucoup de choses. Attention, hein, de putain, comment on fait? J'ai vu beaucoup de bonnes choses. J'ai l'impression que j'entends tout le monde, ça me casse les couilles, j'ai pas envie d'entendre tout le monde. Autant que je l'ai pas vu. Je connais pas les touches. Personne n'est pas entièrement bonne ou entièrement mauvaise, hein. On a tous du bon et tous du mauvais en nous, après c'est... Attends, je vais me mettre ici parce que j'entends tout le monde, c'est relou. Ça marche pas, Tab. Ça serait bien de commencer avant que tout le monde soit sous, hein. Go baiser le prêtre. Oula, Yacine. Respecte un peu, il est sérieux lui, en vrai. Merci en tout cas pour ces dinars, c'est très gentil. Le son fait super bruyant avec tout le monde parle. Ouais, c'est chiant, j'arrive pas à établir... J'aimerais bien avoir le muscle pour la touche, je crois. Il paraît qu'il y a une zone là où on peut entendre bien, enfin, contact, ensuite mi-distance et longue distance. On a un petit peu pot. Je crois que c'est bon, non? Un par un dès que toute la famille a bossé, réunit d'argent. Ouais, dès qu'il y en a un qui tombe, il y en a deux qui repoussent. Oui, vous allez mieux. Bon, c'est quand est-ce qu'elle commence la fête là? Je commence à en avoir marre. Il est venu déjà. Bon, le noir, tu vas. Écoute-moi, le noir. Ah, ouais, je me suis fait. Attends, je vais voir si on entend. Ouais, t'es d'accord là. Est-ce que vous êtes à côté des personnes? Parlez doucement, merci. Ouais, ça c'est bien dit, Macumba. Bon, Macumba, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller là-bas et tu vas prononcer les vœux et comme ça on va pouvoir boire et. Et je mets sur le mur. Excusez-moi. C'est quoi ça? Bah c'est bien ça, c'est oui, c'est ce qu'il faut. Moi, vous êtes, mais lui parlez pas, vous êtes du bon côté. Mais vrai, c'est là où vous allez les faire. Ah merci les gars, mais... Je vous donne le calepin. Ah merci, enfin. Naturellement. Voilà, donnez-moi le calepin. Donnez-moi le calepin là, je vais me branler avec elle. Donnez-moi le calepin. On est tous là. Voilà, passez-moi le calepin, voilà, merci. Allez hop, qu'est-ce qu'il y a comme nom là? J'ai cru voir un Jean-Claude Clitoris dans les listes là. Jean-Claude Clitoris, allez. J'ai cru voir une Monsieur Chat, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, vous voulez le re... Ah merde. Ah bah attendez, je vous le redonne votre calepin. Non, ça va, allez, gardez-le là. Il colle un peu, mais c'est pas grave. Macumba, vous êtes vraiment quelqu'un de remarquable. J'ai envie d'être chicoté. Oui, ben bah, chicote, ouais. Macumba, est-ce que tu n'aurais pas une musique, une chanson de ton pays, là, espèce de mettre un peu d'ambiance, faut que ça zouque, là. Oh, allez, viens, on va zouker tout ça, viens. Si tu veux, j'ai fait l'instrument de ces chiens. Vas-y, on y va. Ouais, je tomberai pas, moi, ici. Tu vas pas m'annoncer plus de meurtres que... Bon, avec Macumba, je propose de faire l'ambiance sonore de ce mariage. Macumba, allez, à la rythmique, on y va. D'accord. C'est parti. Dombolo, Dombola, Dombolo, Wakiminde, oh, Wakimindo, Yayo, Dombolo, Dombola, Dombolo, en avant, en arrière, en avant, ça, Kafouet. Le lundi à Bamako, c'est le jour du mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour où je foutrine. La femme, elle est très jolie. La femme blanche, elle aime bien. Je suis africain de noir, mais j'adore vraiment les blancs. J'aime bien les femmes. Je vais les ramener à mon pays. Je vais les gifler tout, chicoter tout, avec le pied sec. Tato, ça va. Ça va, la Nakweli. Mais c'est la rouge, calmez-vous. Mais c'est la rouille, calmez-vous. Voilà, c'est de là. Oui, voilà, ah, c'est bon. C'est la prestation de monsieur m'Afrique. Bravo, c'est la rouille, bravo. Voilà, ouais, ça, c'est voilà, un ami qui... C'est mon ami Kunta Kinte. Voilà, merci. Voilà, là, c'est ça. C'était pas mal. On les est partis, maintenant. Ils sont presque mieux que nous, t'as vu. Voilà, maintenant, j'ai... Mais c'est moi qui chante. Eddie, t'as brillé un peu. Oui, non, mais c'est... Ouais, c'est Kunta Kinte qui m'a formé. Et t'as regardé bizarre, les blancs, là. Comment ça? Oui, mais je suis avec Macumba. Macumba, il s'occupait de faire la musique, c'est ça, c'est... Hein, oui, c'est ça, moi, j'ai la rythmique. Le ta-ta-ta, ta-ta,
Tiens, voilà, c'est ça. J'ai une mousse. C'est bien, refait, Macumba, refait. Remets-toi là, là. Avec Macumba, j'ai une moussaïte aiguë, ouais, ça arrive souvent, ça, c'est quand je suis au contact des gens comme lui, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon, on va recommencer, là. D'accord. Macumba, tu sais, quand je dis à la base, j'aimais pas les gens comme lui. J'ai appris à vous connaître et à vous comprendre, et vous êtes vraiment des frérots. On peut tout seul. Voilà, vous êtes mon voix, vas-y. Tu partagerais la même table ? Alors, Macumba, Macumba, et tu voudrais pas taper dans de la blanche, sérieusement ? Je connais une fille de joie sur la 52e. Oula, c'est où ? Je vais taper même. Elle, c'est sa petite fille aussi. Allez, montre-moi ton bangala. Allez, Macumba, viens, viens dans un coin, je vais montrer ton bangala. D'accord, pas de soucis. C'est pas monsieur, moi, c'est Paco. Voilà, mettez-vous ici, à l'abri des regards. Bon, allez. Pour combien je te touche en balle. Oh la gamme, c'est. Pareil, je vais vous donner quelque chose. Tu veux me toucher, quoi ? Je fais pas la différence, s'il vous plaît. Attendez, attends, je veux juste papoter ton paquet. Attends, je vais juste voir un petit peu pour me faire une idée. Parce qu'on m'a dit que. Comment ça ? Tu touches là ? Oh putain ! Oh là là, j'ai du sacré matos ! Oh là là, je suis. Vous voulez rien boire, monsieur ? Oh, ça, elles sont pas prêtes, hein. Oula, Wapi. Touche et devine. Eh, tu la sors ? Pour combien ? Tu touches en bas. À toi, moi, j'ai touché à toi, moi. Oui. Oh, rassemblez-vous. Tu touches à moi, là. Taisez-vous. Donne-moi un bout d'être chevet pour faire pomper vos doux. Non, non. Alors, ça ira. Pour combien tu veux que la blanche, si tu veux, se paye, elle touche ton bangala ? Attends, on vient, on va lui demander à la dame. Pour combien touche ton biberon ? Vas-y. Vous pouvez vous avancer, monsieur, dame. Ah, tu dis déjà, ouais ? Je demande. Je demande. Oui, attends, mais on peut demander à la dame, là, je la connais. Madame, excusez-moi de vous déranger, docteur. Oui. Pour combien vous touchez son biberon ? Oh, pour très cher. Alors maintenant, allez vous asseoir. D'accord, très bien. Allons, vas-y, ça. Monsieur, là, vous restez debout, on est des hommes. La rouille. Si vous continuez, vous allez lécher les deux boules d'un mec, je vous dis. Très bien, je me tiens à carreau. Mets-toi à genoux, Edgy, la chaise, c'est pas pour toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tenais tout d'abord à remercier Monsieur Bullock de sa confiance et de son amitié qui me permettent d'être devant vous ce soir. Nous ne sommes... Tzigane, que peu habitué à voir si peu de gens lors de nos mariages. Oh, c'est mignon. Mais l'important est que les personnes qui sont là comptent aux yeux des futurs époux. Nous sommes donc tous réunis en ce doux lieu afin d'assister à l'union pour la vie de Madame Charlie Shelby et Monsieur James Bullock. Depuis plusieurs mois, ces deux âmes ont vécu de belles choses, des instants d'orage, mais éphémères, et toujours chassés aussi vite qu'ils sont arrivés. Mais aussi des moments forts. Et il me semble tout à fait raisonnable de devoir les lier à jamais. Monsieur Bullock, Madame Shelby, voici un morceau de sucre. Je voudrais que vous le mettiez tous les deux dans votre bouche. Oui. Oh, c'est mignon. Que votre vie soit aussi douce que ce morceau de sucre. Vous pouvez croquer dedans. Et quand le pain et le sel n'auront plus de goût, alors vous ne serez plus mari et femme. Monsieur Bullock, désirez-vous, plus que tout au monde, unir votre âme, votre corps et votre esprit à Madame Charlie Shelby, être à ses côtés dans les joies et le malheur, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie ? Ouais, je le veux. Non, pas de rage à ce moment-là, les gars, on va pas tout ruiner. Madame Charlie Shelby, désirez-vous, plus que tout au monde, unir votre âme, votre corps et votre esprit à Monsieur Bullock, être à ses côtés dans les joies et le malheur, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie ? Oui, je le veux. Je vous déclare ainsi, mari et femme, vous pouvez changer vos alliances et vous embrasser. Non, je m'y oppose pas. Oh. Vive les mariés ! Bravo ! Allez ! Et bagarre générale ! On y va ! Pour les mariés ! Vive les mariés ! Pour les mariés ! Voilà ! Vive les mariés ! Voilà, Macumba ! Voilà ! Ne vous inquiétez pas. Pour les mariés ! C'est une tradition de cigale. Pour les mariés ! Pour célébrer la joie du mariage. Pour les mariés, oui, pour les mariés. Vive les mariés ! Vive les mariés ! Mesdames, messieurs,
Madame Bloch, désormais, nous ne ferons pas de cérémonie du mouchoir car vous n'êtes pas tzigane et que vos convictions ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras. Effectivement. Cependant, je me permets de vous proposer une tradition qui pourrait vous être intéressante. Non, on va pas ruiner, les gars. Voici un vase peu épais, monsieur Bloch. Je vais vous le briser sur votre tête. Promis, je ne vous blesserai pas. Et plus il y aura de morceaux au sol, plus votre mariage sera heureux. Hey, mets une torgnole. Hey. Êtes-vous prêt? Oui, allez-y. Il fracasse lui d'ailleurs. Voilà. Et alors, voyez ça. Bon, ça va, j'ai pas eu trop mal. Alors, voyons combien il y a de morceaux au sol. C'est du sang ou c'est cheveux? Ah ouais, moi j'en compte à peu près 30. C'est quoi ce bruit? Ce qui est plutôt favorable. Maintenant, c'est à vous de tout faire pour que votre chemin de vie ne soit que douceur et amour. C'est trop bien. Permettez-moi également, au nom de la troupe, de vous offrir ces potions afin de lutter contre le mauvais œil et ainsi vous protéger du négatif qui pourrait rôder autour de vous et de votre bonheur. Voici pour vous. Vite qu'on fasse la bagarre générale. Non. Non. Et voici pour vous, madame. Ça va, c'est pour rendre hommage. Merci beaucoup. On va être un peu se faire ça dehors. On n'est pas des sauvages. Sachez que vous resterez à chaque instant dans nos prières et j'invite vos amis à faire de même. Je vais enfin vous raconter un petit poème. S'il n'y a pas de bagarre, les gars, je leur dis qu'ils baissent, non ? Vouloir tout découvrir des lointains. Non, ça fait un peu ruiné. Chercher en soi la vie. Je vais faire du cerf. Savoir qu'il n'est pour l'âme aucun seuil interdit et cueillir en chaque jour en son bienfait un signe. Recevoir l'univers, ses innombrables grâces et les yeux. Par contre, ils sont pas embrassés, les gars, non ? Ses trésors. Apprendre l'éternel dans la splendeur qui passe. Apprendre l'espérance, oublier les remords. Élève-toi toujours et poursuis ton chemin. Il n'est rien ici-bas, sache-le qu'on ne forge. Celui qui ne fait rien. Oui, bah ça ne t'intéresse pas, embrassez-vous, la bordel de merde, là, qu'on voit les celui-là, choses. Celui-là, crois-moi, n'a rien d'un échelon. Oui, élève-toi toujours. Tombe, mais redresse-toi. Nul besoin de montrer les crocs à tout va quand on est accompagné de son grand amour. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une longue et belle route. Que votre vie ainsi que la fête se poursuivent sous les meilleurs auspices. Vive les mariés. Amen. Allez, embrassez-vous, là. Bravo. Le bisou. Félicitations. Je vous félicite. Voilà, avec la langue, voilà. Embrasse Charlie. C'est chez Charlie. Merci tout le monde. Mais c'est pas mal. Voilà, embrasse là. Ça, c'est pas un bisou de PD, ça. Voilà ce que je vois. Ah, bonjour, monsieur. Merci. C'est bon, Edio, on a fini de faire genre les aimer. Oui, attendez, je vais féliciter quand même. En tout cas, ça a été une très très belle soirée. Merci. Bravo, mes félicitations. Merci bien. Vous l'avez bien embrassé. C'est incroyable. Félicitations. C'est un homme, ouais. Ouais. Félicitations à madame. Ouais, félicitations, oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur Paco. Et tout se passe bien. Et que le banquier soit ouvert. Et allez, on y va. Et la facture aussi. Ouais, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Félicitations. Ça passait pas sur Twitch, non ? Prolongation du Manfuit jusqu'en 2094. Ça va juste passer, s'il vous plaît. Barbara, si tu veux. Y'a pas un mec, attends, on se tape, attends. Il est au grec, on va se taper entre. Mademoiselle. Bon, on va régler nos comptes, quoi. Félicitations pour votre mariage. Merci. Allez, calmez-vous, là. Écoute-moi bien. Excuse-moi. Attends, je dois arriver. Lâchez-moi. J'ai rien fait, pour une fois, j'ai rien fait. Calme, ne fais que calmer les artères, tu vois. Bon, une fois surtout les messieurs en rouge, agité. Messieurs, dames, pour les personnes qui veulent, il y a madame Barbara qui va vous présenter une chanson, si vous voulez. Oui, la chanson, allez. Ah, c'est changé le chanson. Et mon perso, il se relève quand, les gars? C'est qui ce monsieur? Vous en faites pas, je vais rester comme ça, je suis fatigué. Venez avec moi, je vais vous détacher un peu plus loin. Oh, mais non, c'est... Mais non. Oh non, mais... Mademoiselle Murphy. C'est monsieur Flanqué, mais... Ah bon, c'est bien fait, monsieur Flanqué. C'est vous qui allez chanter, c'est ça? Non. C'est la médecin. Mademoiselle Pieds Nus. Ah, d'accord, pied sec, allez. Oui, exactement. Allez, vas-y, Barbara. Allez-y. Allez, Barbara. Oui, vous savez bien la faire, allez, vous savez bien la faire chanter, votre femme. Nous allons voir à l'œuvre. Là, vous allez voir, vous allez pas être déçus. elle est dégoûtée là-bas. Ah, bonjour patron. Elle a dit putain. Salut Eddie. Je crois... Salut. Je tourne en aussi.
Plus fort, Barbara. Les gars en poli qui se prennent pour je sais pas quoi, ça commence à taper sur les nerfs. Allez, hein, prends l'inspiration. Vous voulez que je fasse le rythme? Lui mettre la tête dans la table, il va comprendre. Oh non, non. Allez-y, il fait du calogéro. Voilà, on la laisse, après on décroche les nègres, on va pas sur le GTA. Vas-y, on termine l'event. Ok. Pourquoi la mariée elle a dégainé là? Je vais ranger GTA, madame. Ouais, je fais ce que je veux. Ouais, alors c'est peut-être votre mariage, mais attendez, pour l'instant tout le monde se comporte. Oh, monsieur, vous voulez pas vous la fermer un petit peu là? On est un mariage, bordel. Écoute-moi là, Francis. Bah, fermez-la, bon, monsieur. Ouais, ce serait bien messieurs, un peu de silence. Bon, messieurs, un petit peu de respect pour Barbara. Mais là, lâchez. C'est bon, je vais écouter la chanson, laissez-moi. Laissez-moi écouter la chanson, s'il vous plaît. Si vous voulez, laissez-moi attacher, ouais. Non, on est mort de votre cinéma là. Merci. S'il vous plaît, sortez pas les yeux. Il est un peu bourré, c'est tout. C'est bon, il est un peu forcé sur le pinard, écoute-moi. Je te prends une espèce de connard. Ouais, j'ai le bras long dans le salon, je peux te faire tomber. Ouais, fais les descentes, attends, je vais lui mettre une correction, on va savoir. Mais il veut quoi lui? Putain, il casse l'idée. Je vais écouter la meuf là, il veut quoi lui? Mais lui. Lâche-le, je t'ai dit, bordel. Voilà, merci. Toi tu me connais pas mon gars. Il est en écho quoi? Il est libéré, ouais, si vous voulez, je suis un peu bourré. Merci Macumba, je vais écouter la chanson, vas-y, emmène-moi. T'as cru qu'on était quoi? Mais il est en écho quoi l'Indien? Qu'est-ce que vous faites? Il écoute la musique, je la tiens, il parle, je l'ai pas. Voilà, voilà, j'ai entendu ici, voilà, merci. Elle chante bien ou vite faf? Heureusement que le Renoir il est là. Hein. J'avance sans crainte et poursuis. On était quand même bien mieux sur Smule, non? Ton cœur insoumis, passer la colère, la mélancolie. On rigole, on ne se moque pas les gars, on est sur Smule. La chaleur de ton étreinte. Il est trop cool, Mamadou. Il faut refaire du RP avec lui, hein. Il est pas de boire, attention. Bon, et finalement, tu peux me refaire sortir, hein. Ton parfum de crocaille. Voilà, j'ai l'impression d'être aux toilettes quand j'ai l'intérêt. Ouais, alors, mais elle chante que une. Alors, c'est quoi ça? Attention, j'ai peur de te faire mal, hein. Yeah. Ça va aller. Ah, merci. Bon, on aura quand même bien profité de cette soirée. Je suis bien marré. Heureusement que tu étais là, mais c'est qui l'autre con, là, dernier, qui m'a sorti? C'est pas le service d'ordre quand même. Et non, c'est le patron à 10. Non, c'est indien. Mais ouais, je m'entends bien. C'est pas Watipi là, comment il s'appelle? Lui, il est gentil. Lui, c'est qui ce con? Adoril. Il s'appelle Adoril. 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 Voilà, c'est ça. Putain, il me casse les couilles, excuse. Non. Vous êtes au courant qu'un service, c'est pas gratuit, monsieur. D'accord. Payez maintenant, s'il vous plaît, un peu d'argent. Ah d'accord, très bien, vous voulez un peu d'argent? Attendez, je vous laisse une petite pièce, en tout cas merci, vous m'avez bien rendu service. Oui, bah, alors, Macumba là, Macumba, c'est quoi le muscle? Ah. J'ai souvent un problème de muscle. Quand vous sortez de la maison, vous verrouillez la porte. C'est quoi verrouiller? Ah. Alors. Oh putain, j'ai un gun! Ça veut bien ça? Bon, maintenant, ouais, emballez pas. Viens ici. Allez, viens, petit noir, où personne nous revoit maintenant. Mais c'est vous me braquez là au mariage là. Oui, merci. Ouais, c'est ça. On est à l'abri des regards, il ne nous voit pas. Il y a quand même shérif, hein. T'en fais pas, viens. Viens, tout ira bien. Oh. Ah, non. Il est en train de me braquer là. Qu'est-ce qu'il veut? Non, mon arme, putain, mais ça va ou bien? Laissez-moi. Vous prenez pour qui? Vous en faites pas, je voulais pas lui faire de mal. Mais ça va pas ou bien? Oui, je vous assure, je voulais. C'est votre ami? Oui, c'est mon ami, simplement, oui. Pourquoi vous braquez? Ça va pas ou quoi? Non, non, il était à l'abri des regards, je voulais simplement amuser avec lui, le mettre dans un coin, merci. Mais non, d'ailleurs, mais vous êtes fou. Vous en faites pas, allez, viens, Macumba, viens, on va s'amuser. Vous êtes fou, vous, hein? Oui, d'accord. Oh putain, Macumba, je sais pas quoi. Ça fait deux fois que j'étais sauve là. Oui, je sais, t'es gentil, Macumba, attends, t'as bien mérité l'endu, attends. Non, non, ça je peux pas te le donner, voyons. Attends, il faut bien que je me protège aussi. Attends. Oui, mais. Si tu te protèges, t'as mis ça derrière toi. Moi, je peux pas me protéger. Je te donne combien? Tu nous as rien montré là, tu nous as pas montré de ta derrière. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, tu les as reçus?
Oui, monsieur là, monsieur le shérif. Hein? Dites-moi. Oui, moi, alors, il s'est rien passé. Il a voulu me tuer. Mais non, c'est... mais arrête, tu te racontes. C'est là devant là. Enfin, attends. Il va prendre la foudre là, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il peut prendre la fuite. C'est votre ami, arrêtez de. Non, non, on est amis, on est amis, Macumba. Mais voilà, on vous a fait une petite blague, bande de. Moi, je rigole pas. Bande de tantouses. J'avais bien qu'on allait prévoir une autre fois là. Un pseudo shérif de mes fesses. Allez, viens, Macumba, on se casse. Oui. Quoi? Shérif de mes fesses. Je sais même pas, je trouve qu'il en est même pas. Il en est même pas, je sais même pas. Shérif, c'est même pas un homme de droit. Moi, je vous dis, c'est le dernier avertissement que je vous mets. J'ai habillé comme un sale bourge, monsieur. Mais oui, mais je suis un sale bourge s'il faut, mais c'est la dernière fois que vous me parlez comme ça, vous avez compris? Je parle comme je veux, vous n'avez aucune autorité ici. De toute façon, personne ne vous connaît. Ah ouais? Ouais, monsieur le shérif, vous faites marcher de zèle à part monsieur de la rouille. Monsieur, ne le prenez pas personnellement. Pourquoi vous êtes agressif d'un coup alors hein? Moi, je suis agressif parce que vous me regardez de travers, vous manquez de respect, je prenais pour qui? Vous n'avez pas manqué de respect, c'est vous qui m'avez insulté de chauve. Tout ça pour un regard, quoi. Bon. Non, non, pas que d'un regard. A Valentine, baissez votre arme. Je regarde comme je veux, attendez un instant, désolé, je la recharge. Non, arrêtez, mais arrêtez, lâchez-le. Mais il veut quoi lui, putain? J'ai envie de le buter, putain, mort RP. Celui qui les détache, l'attache aussi, non, c'est lui. Laissez-moi, je suis inoffensif pour la société. Bon, monsieur Matko, vous pouvez m'aider? Monsieur, j'ai fait la prière pour vous, parce que vous allez mourir. Non, mais détachez-le, non, mais lâchez-le. Je le prends. Et l'eau, elle est où, l'eau? Vous prenez où? Eh, tranquille, je vais discuter, je vais le calmer. Vas-y, qu'est-ce que t'as à faire du lasso là? Tu nous casses les couilles. Mais casse les couilles là, y'a pas un mec qui... T'en as pas marre de faire chier tout le monde, écoute-moi, tu vois bien. Écoute-moi bien, toi. Y'a de l'or, les gens, c'est bien. On s'autogère, alors laisse-le tranquille. Mais vous prenez pour qui? J'ai pas envie de t'écouter, bordel, t'es là, tu nous casses. On n'a jamais fait chier au mariage, demande à n'importe qui, on était là pour mettre l'ambiance. Profitez de quoi? Vous profitez de quoi? Vous Macumba, boitez un mariage, Macumba fait partie du service d'ordre, c'est lui qui gérait ce mariage, c'est lui qui est à l'entrée, qui s'occupait des invitations. Et s'il a dit qu'on s'est bien comporté, qu'on s'est bien... Oui, oui, non mais... C'est que c'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, bien comporté, bien sûr. Allez-y, où t'es là? Bon, ça rajoute une intrigue, les gars, mais est-ce qu'on le bute? Allez, bougez de là. Parlez pas très comme ça, là. C'est pas très comme ça, là, qu'on parle. Monsieur, vous n'avez pas à intervenir, monsieur, il est tout seul, il est bon toutou, oui, ça. Je vais les escorter à la sortie. Tu t'amènes plus loin comme ça. Ah, il a pris quand il est en égo. Je vous ai encore aidé. Ah là là. Oui, bon, vous faites à moi là. Vous êtes vraiment très gentil, vous m'avez encore sauvé la mise, merci. Bon, vous pouvez, sinon je suis en train de me branler entre les lattes là, voilà. Bouge pas. Hurricane, ah c'est bon les gars, il y a Hurricane qui est là, il y a Gutam. Tu veux. Eh, faut que tu reviennes, hein. Le retour de Doofy ce soir ou demain? T'es dispo quand? En fait, il attend. J'ai l'impression que ce connard attend que je glisse à tout moment pour me faire exécuter ou me faire tomber. Vous l'avez remarqué, j'ai l'impression qu'il est dedans contre moi. Il a quelque chose contre toi, je t'assure. Je t'assure, il a quelque chose contre toi, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, les gars, en RP? Il m'a dit d'un oreille comme ça, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on... De toute façon, il est tout seul, t'as bien vu qu'il est souvent tout seul. La dernière fois, il nous a suivis. Oula, moi, j'ai fait rien. Déjà, vous m'avez payé 10 dollars, j'ai voulu... Je sais bien, est-ce que tu veux en être? Est-ce que tu veux en être? T'inquiète pas, on va se charger lui, t'as bien vu. Il est nuisible à ces sociétés. Tout s'est bien passé, il est là pour nous faire chier. Merci, Yassine. Bois, mais... Moi, j'ai pas envie de payer, mais toi, tu peux fuir. Il fait soif, là, les gars, je vais là, y'a la rivière à côté, viens un coup. Oui, on y va. Tire-le dans un piège en RP. Attends, et, alors on va pas le buter parce que c'est dans le but, c'est quand même qui est son. On est d'accord, on est là pour le beau jeu, le RP. Est-ce qu'on le mettrait pas dans une ferme et on le fait souffrir, tu vois, genre. Je kifferais tellement qu'on fasse ça, Eddie Larouille, genre de la torture. T'es dispo ou pas, Hurricane? Au lieu de dire bois. Bon, là, elle est pas très bonne ici, mais c'est pas grave. Tu vas te faire ban? Non, non, mais on va pas se faire ban, les gars, si on le prend. Si on est en RP, on a bien géré. Merci, monsieur. C'est de la piche, ça. On aime pas le fond. C'est quoi? C'est quelle touche? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup boire, hein? Oui, mais attendez. Là, c'est bon, là, je suis rechargé ou pas? Allez, une dernière grosse G. Elle est bonne. Merci de m'avoir amené ici. C'est bon souci. Et le noir, on le garde, on le met dans la sauce ou on le laisse? Ça le regarde pas. Non, je crois que c'est bon.
Est-ce que mon arme, je la laisse sur le dos parce que j'ai peur qu'on me la vole en fait. Parce qu'elle m'a coûté super cher, les gars, qu'est-ce que je fais? Oh là, votre ami, il a décédé là. Ah oui, attends, je vais voir ça. Oh putain, va falloir que je le prenne. Je vais le ramener chez le médecin. Oui, voilà, c'est ça. Range-la et prends-toi une arme de poing. Ouais, mais comment je la range, les gars? Déséquipé, bien vu. Parce que j'ai pas envie qu'on me la, ouais, qu'on me la chourave. Voilà, l'infusée à pompe, vous me la vendez? Je vous l'achète. Non, j'ai un macumba, je ne peux pas. Comme tu le vois, t'as vu, il y a beaucoup de gens qui veulent ma peau. Faut bien que je me défende, t'es d'accord? Un peu comme toi, hein, quand tu t'es fait attaquer. Dans ton pays, enfin tes ancêtres. Les gens, ils ont peur de moi, vous avez vu? Je te souviens, lors de ce long trajet, quand vous ont mis un boulier, hein, au pied, ils vous ont fait couler dans l'eau, hein, tes ancêtres. Mais là, c'est pareil. Je sais, votre peuple a tellement souffert, je le sais. Est-ce que tu es un maître Macumba ou alors t'es libre ici? Dis-le moi. Je suis libre. Ah ben voilà, ça c'est bon à entendre. Voilà, c'est ça. Bon, mais on le, y va. Mais le gouverneur là, il veut me rattraper. Il m'a dit, Boubacar, tu vas aller encore dans les champs. Attends, si tu parles de la même de la personne là qui nous a embrouillé? Non. Faut que je mange. C'est le gouverneur, c'est monsieur le gros là. Le gouverneur, faut que tu me le montres. Le gouverneur, il est... Attends, le gouverneur est au-dessus du... Il est au-dessus du marshal, c'est ça? Le gouverneur, il dit, tu meurs. Tu choisis pas. Ah ouais, ce bâtard, en fait, il... D'accord, en fait, mais il faut que... Il faut qu'il vienne sur ce serveur, Yemba, pendant attendant, les gars, parce que si... Tu dois aller au médecin, là, c'est ça? Oui, oui, on va le ramener au médecin, allez, on y va. Au pire, tu le lâches, la terre, elle va le manger, elle va aller au médecin tout seul. Non, 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 le médecin va en profiter, il est juste à côté. Vas-y, prends, monte là. Non, on je sais pas si tu peux monter. Ah merde, attends. T'inquiète. Oh non, attends, j'ai pas le traîneau là, ça. Sinon, j'appelle mon cheval et j'ai la traînade. Voilà. Monte dessus, lâche-le par terre. Vas-y, monte, t'inquiète. Ça c'est tellement bien le assaut. Je vais y arriver, c'est difficile. Allez mon petit noir, allez. On peut le faire. Voilà. Voilà. Oh Grigouza, comment on le traite ce bolos. Attention. Mais là il s'est attaché sur... Ah. On l'a... Ouais, je crois qu'on l'a perdu. Il a été mangé par la terre. Qui arrive là? Avec votre cheval. Docteur, s'il vous plaît, j'ai un collègue là qui est mal en point, il est tombé dans les pommes, pouvez-vous s'il vous plaît le mettre sur jambe? Il est là, attendez. Il est où ce fumier? Macumba, il est où? Ah oui, il est là. Ouais, c'est lui. Bon, franchement, elle gère le médecin. Celle-là, ça ira mieux. Voilà. Moi, je dois manger aussi. Attendez, bougez pas. Ah. Putain, c'était bien. Il faut vraiment que Yemba il revienne là. Putain, il y a tellement de choses à faire. Gutam, demain, tu viens ou pas au Hurricane? Sans monsieur Larou, vous allez tomber vous aussi. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Oui, j'aimerais bien. Ça devrait aller mieux maintenant. J'aimerais bien boire. Il fait soif. Merci, Doc. Oui, s'il vous plaît. Ouais. T'as de quoi boire, Barbara, ou pas? Non, j'ai que ma gourde. Merde. Trouvez un point d'eau, monsieur Larouille, là. Vous en avez peut-être un pas loin. Ah, ici, là, c'est quoi ça? Oh, mais j'ai la flemme. Oh, merde. Et c'est la rivière, Larouille. Mais t'es plein. Mais j'ai pas. Ouais, je voulais avoir des flaques, en fait. Non, mais moi, je voulais. T'as pas soif, t'as faim. Ok. Bon, attends, mais attends, c'est... pour la fin, j'ai ce qu'il faut, non? Oui, ça va. Je mange un steak. Bien, là. En tout cas, merci Palmer de t'être sorti de ta grotte et d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Fume un shit. C'est bon là. Dans ta gueule. Ou encore un gros steak. Je mange un steak. Je fais bouffier dans ton sac, la rouille. Bah, Franck, si tu connais Yembap, les viewers d'Yembap, vous pouvez lui dire de venir sur ce serve? Vous lui dites que c'est le serveur Red Start
Et il y a Jagoutam avec moi. Il faut qu'il vienne avec le noir. 3 steaks dans le gosier. Ah ouais, vous avez rappelé quand on avait Chourave l'arrosoir, les mecs? Ça, c'est quoi, ça? Plat cuisiné. Bah, c'est très bien, ça. Merde. Ah oui, t'as pas un couteau? Non, et pas ça. Ah, j'ai même un lasso. Oh, en fait, j'avais dans sur Server, on avait Vlagrind, en fait. Putain, je me rappelle quand t'avais tué un mec, là, tu lui as récupéré toutes ses armes, son lasso et tout. Oui, je m'en souviens, quand on s'est fait chaparder. Bon, on y va, viens. J'aime trop Eddie Larouille, j'aime trop le jouer, les gars. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Ah, ça, ça vient de chez les D-Live. Pourquoi on les voit pas, les alertes des D-Live? Wow. Doucement, doucement, bordel. Monsieur Larouille? Vous avez fait tomber Larouille. Oui, ça va mieux, oui. Monsieur Larouille? Oui, tout va bien, oui. Qu'est-ce qui me parle? C'est Wapiti, ça. Je reconnais. C'est Wapi, oui. Oui. Wapi vous salue et vous souhaite bonne soirée. Merci, Wapi. En tout cas, content de t'avoir revu, oui. Salut. Ah oui, Wapi aussi. Bon, vas-y, on termine là-dessus, mais vas-y, j'aimerais trop qu'on... Bon, bah, c'était pas mal, c'était rigolo, ça. Maintenant, ils vont pouvoir se bécoter, ils vont pouvoir l'enculer à sec. Qu'est-ce que j'en aurais pas pour pouvoir la baiser, cette salope? J'ai trouvé une bonne petite meuf, une bonne petite vierge. Je les aime comme ça, moi aussi. Alors, on pourrait se faire un trio, ça serait cool. Ouais, je sais, ouais. Bah, bonne soirée, hein. Mais vous savez où ils sont passés, les mariés? Oui, ils sont partis direction au sud. Vous savez s'ils organisent une nouvelle réception et tout pour qu'on puisse manger? Ah, du tout. Les petits fours, je crois qu'il n'y en aura plus là. Vous voulez qu'on fasse la transformation maintenant ou vous voulez ça demain? Car il y en a, même, celui-là, oui. Entre nous, il va se mettre bien, le, hein, la femme. C'est-à-dire bah, sa femme, c'est elle est. Une femme charmante. Oui, elle est forme où il faut, quoi. Oui. Oui. Tout à fait, monsieur Larouille. Mais vous trouverez chaussures à votre pied, monsieur Larouille, j'en suis sûr. J'espère bien, bon, c'est sûr que ce sera pas votre femme, même si un temps elle m'a plu. En tout cas, elle est bien charmante, vous avez raison d'être avec elle. C'est un temps, mais ce temps n'est plus, non? C'est une femme charmante, en effet. Ah, j'aurais pu On a loupé le train, quoi, on a loupé le train. Oui, nous avons loupé. Y a pas de mal. Bon, en tout cas, je reste aux aguets. Bah, achetez des chaussures, hein, si vous êtes injuste. Non, j'aime bien voir les pieds secs. Si un jour, oui, elle compte aller voir ailleurs. Oui, bah, qui sait si. Ouais, possible, impossible. Vous savez, j'ai du mal, j'ai besoin de bois bandé, donc il se peut que. Si vous êtes plus vigoureux, à la limite. Et j'ai beaucoup d'atomes crochus, n'est-ce pas, madame, docteur? Avec vous. Mm-hmm. Ah, vous êtes. Ouais. Allez, hein, à bientôt, monsieur Larouille. Merci. À bientôt. Ciao, ma belle. Bonne journée. Ah, il est là, il y a Mbappé là, les gars. Ah, Yemap sur Server, ils sont tous les admins, ils sont cool avec moi. Et à chaque fois, ils me mettent bien, ils me filent des trucs, ils me filent des thunes et tout. Monsieur Charles, ne faites rien, deux secondes. Ah, mais je ne vais rien faire. Moi, écartez-vous juste de la route, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Merci au KXL qui s'abonne. Vas-y. Attends, Lady Live. Mais non! Exploding Mo qui s'est abonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi là? Vas-y, m'a braqué avec Fusiap. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait quoi le noir là? On est à droite, ici à droite. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est bon, lâche-le. Putain, merde, est-ce que t'as déjà léché? Merci, les deux boules de mec. C'est quoi ton putain de problème? Il y a rien fait. Makumba, tu peux pas me faire ça? Né. De quoi, Makumba? Il est où là? Tu vas me le donner? Lâche les armes par terre, l'arme qui est en dessous de ta veste là, lâche-la par terre. Putain! Ça va dépasser là. Je vais être en égo, je suis en égo. Dépêche-toi. Putain, qui marchait. Non, j'espère que c'était pas comme. Non, Makumba, je n'ai rien, je la charge, je n'ai rien. Hey, merci. Si tu bouges, je te plante. Ok, je t'aurais prévu, mon gars. Yes, je me casse. Oh, il s'est donné. Oh, il s'est donné pour moi. Oh, Greg. Non, non, il est. Mais il est sérieux, quoi. C'est bon, je suis pas cramé. Vite, acquérir 2800, vite! J'ai pas assez! Merde, mon arme, mais je suis con, mais j'ai une arme! Mais. Merde! Putain!
Non, non, fais pas de mauvais gestes, pas de mauvais gestes, pas de geste brusque. Pas de geste brusque. Pas de geste brusque. Pas de geste brusque. Makumba, tu m'as déçu. Makumba, tu m'as beaucoup déçu. On va s'écarter de la ville, sinon il y aura tous les gérifs là. Makumba, pourquoi tu me fais ça? Pas ça, toi et moi. Nous étions comme liés comme deux furoncles. Makumba. Qu'est-ce que t'as fait de mon ami? Makumba, tu peux pas me faire ça. C'est bon, stop, ah stop, arrêtez, stop, 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 arrêtez, stop, stop, arrêtez, stop, arrêtez, stop, arrêtez, stop, stop, laissez stop, la rouille, stop. Laissez je la rouille. Je l'ai blessé au visage, ah laissez la rouille. Je l'ai blessé au visage. Arrête, arrête. Bah, stop, stop, laissez stop, la rouille, s'il vous plaît, laissez la stop, rouille. Stop, stop. Attends, attends, stop, c'est bon. Attends, on a rien fait. On a absolument rien fait. Non, arrête, 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 arrête. Arrêtez, je suis mal en point, vous allez pas vous en prendre à l'homme faible. Ton frère est encore plus mal au point, mais je l'ai blessé au visage, tu vois pas? Oh, qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, il a voulu se battre et j'avais ton frère. Oui, laissez-nous aller nous soigner. C'est une mauvaise idée. Makumba, pourquoi tu fais ça, putain? Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai rien fait. On va vous expliquer. J'ai jamais, c'était pour la blague, tu sais très bien. Ouais, je voulais te, voulais aucun mal. On comprend pas avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Je voulais aucun mal, je te voulais aucun mal, tu me connais. Mais on s'aime bien, les gars, pourquoi on se fait ça? Mais écoute, nous on en sait rien. Bon, vu qu'on est maintenant les amis, les gars, ce que je propose, c'est qu'on aille tous s'enculer ensemble. Allez, venez, je vous paye la baraque. Allez, venez. Mais s'enculer quoi? Mais il est fou, lui. Je suis gay. Je suis gay également, oui. Tu sais que j'étais tiré dessus là? Oui, d'ailleurs, je pisse le sang, là. Il faudrait peut-être que j'aille me soigner. Et ton frère aussi, il faudrait que... Oui. Il aille se voir un médecin. Ben, bonne soirée. Allez, j'ai mal. Merci. Attends, la rouille. Ah, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. La rouille. En fait, il voulait mon arme. Il voulait mon arme, mais heureusement que je l'aurais pas donné. Hein. Parce que faut qu'on le garde avec Ayembap, comme ça, on pourra au moins... Bah, ils t'ont pas fait de mal. Je vois pas la cicatrice sur ma tête, bordel, je vais te prendre un coup dessus de l'œil. Bah, j'aime pas très bien. On va aller voir le docteur. Ils sont aussi sérieux que sur l'autre serve, c'est mort. Non, non, mais de toute façon, je verrai l'admin. Je crois qu'il y a un des admins qui me connaît. Si franchement, il y en a qui font de la merde là. Là franchement, s'il m'avait buté. Mais j'aurais DM l'admin direct. J'ai même pas l'intérêt, là, ils se sont rendu compte que c'était super con ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire Zarma Insane pour me voler mon arme, mais jamais. Jamais ils prennent mon arme. Vous êtes d'accord les gars? C'est n'importe quoi. Heureusement que j'étais là, putain, ils allaient tout prendre. Oui, je dois une fière chandelle. Ah, excusez-moi monsieur, désolé, vous pouvez... Ah bah... Bah, endormez-vous. Putain, le cheval est mort. Monsieur, vous allez... Endormez-vous, restez. Viens ici, viens ici. C'était moins une. Oh, ah, j'ai un peu mal. Je voulais te dire merci, je te... Je dois une fierce chandelle, tu m'as sauvé. Je le suce? La rouille, c'est normal, tu le sais. Je le suce? Tu veux pas faire un truc pour moi, s'il te plaît? Putain. Je sais, je sais, je vais devoir... Je vais devoir m'y soumettre. Vas-y. Oh. 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 Voilà, prends du plaisir, voilà. Oh. Ça t'excite, hein, ça dit quoi. T'aimes bien quand... Ah, j'adore. J'aime bien quand je te limace. Voilà. Ouf. Dis pas, s'il te plaît, dis pas. Garde, garde le contrôle, garde le contrôle. Sinon, s'il y a dizzying, ça veut dire que je suis gay. Ouf. Voilà, ah, contrôle, là. Contrôle, voilà. Oh. Voilà, voilà. Tiens, dans la durée. Voilà. Ah, est-ce que t'as déjà laissé les deux boules de mec? Ah ouais. Ben, on va les faire. Ouais, 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 ouais. Ouais. Oh. Ah, je vais pas retenir, je vais pas retenir. Voilà, garde, garde, c'est bon, je me relève. Oh. Voilà. Merci, Darby. Non, mais c'est horrible. Je dois une fière chandelle, merci. Heureusement que t'as plus de dents, bordel, ça fait du bien. Je sais que ça allait te faire un collier pour ta bite. Écoute-moi. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Les D-Live, vous niquez les séquences! Écoute-moi. Dis-moi la rouille. Putain, il nique les séquences, quoi.
Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Arrêtez de niquer les séquences. Merci. Pourquoi tu pleures, la rouille? Tu sais, depuis que j'ai Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Les gars, niquez pas les séquences, putain, le D-Live veut vous déconner. Oui. Vas-y, dis-moi tout. Oui, désolé, c'est les D-Live. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Je tenais à te dire que c'est la première fois qu'un homme me fait ça. Par le passé, j'ai été accompagné d'un certain Luffy. Est-ce que t'as déjà léché J'espère qu'il reviendra à moi. Deux boules de mec. Les D-Live. Merci. Est-ce que t'as déjà léché les deux Merci, boules de mec? Merci, KXL, c'est bon, les gars. D-Live. Oui, je tenais à te dire que j'éprouve beaucoup de choses pour toi. Est-ce que t'as déjà léché C'est la première fois que je lèche les deux bouts de Namek. J'espère que ça restera entre toi et moi. Est-ce que t'as déjà léché les deux bouts de Namek? Là où j'ai kiffé, je te jure. T'as kiffé, j'ai fait ça bien. J'ai adoré, mais je t'assure que je garderai ça pour moi. T'as vu, j'ai vu que j'étais en contrôle. J'ai eu du pré-cum. Je l'ai sorti, heureusement que c'est pas sorti le pré-cum. C'était Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Le fait d'avoir léché les deux boules de la mec, ça me fait toute chose, tu sais. Je vois que t'as confiance en moi maintenant. Oui, j'ai douté, je t'avoue, je l'ai douté. T'auras remarqué que je t'ai fait un petit malaxe. Je t'ai malaxé les boules aussi. Ça t'a fait plaisir. J'en bande encore. Ok, calme-toi, j'espère qu'un jour tu trouveras la femme de ta vie, à ce moment-là, tu seras prêt. Tu lui enverras toute ta foutrine. Toute la foutrine que j'ai chauffée en toi. Promis, je garderai ça à la rue pour elle. Ça reste entre toi et moi. Faut pas que Doofy soit au courant. C'est mon fidèle acolyte, il reviendra un jour. Tu veux dire que... le jour où il reviendra... Non, crois-moi, je t'abandonnerai pas. Il pense penser qu'il y a d'autres gens qui assistent à ça. Je sais pas quoi penser de ça. C'était la première fois pour toi aussi. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un dans ton genre. J'espère que ça t'a fait du bien au moins. Tu vois, c'est que de la peau au final. On peut être gay sans qu'il y ait de soucis entre toi et moi. En fermant les yeux, j'ai même cru que c'était une femme. Ça veut dire que je vais avec une certaine délicatesse et un certain doigté. Tu remarqueras le doigt avec le pin. Pinus, ça te parle. J'adorais. Merci, la roue. Aujourd'hui, j'ai l'impression de devenir un homme, à vrai. Je l'ai été grâce à toi, je t'en remercie. Maintenant, je vais m'en aller. Je vais aller avec à mes occupations, je t'en remercie. On se retrouvera, la roue, je te le jure. On se retrouvera, je ne t'oublierai pas. Oui, on se retrouvera. Ne pleure pas, sois un homme. Les vrais hommes baissent des hommes, ne l'oublie jamais. Mais c'est un ouf. Je crois bien que c'est la fin. Il est en train de chialer. Peut-être qu'un jour, je lui sortirai ma plus belle pipe. En attendant, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je suis bouleversé. La rouille. Oui. Ne me laisse pas comme ça, s'il te plaît. Oh, tu es de retour. Je veux pas être séparé de toi, la rouille. Toi et moi, nous sommes avant tout des amis. Nous sommes plus que des amis, toi et moi. Tu m'accompagneras maintenant, jour. Je serai avec toi. Et surtout la nuit. Tu me la tiendras quand j'irai faire pipi, c'est vrai. Attention à toi, la rouille. Merci. Je te lâcherai pas, la rouille. D'accord. Allons-y. On y va. C'est le générique de fin. Marche avec moi.
Tiens ton cheval, toi, si je prends un coup, je te jure, je t'en mets une. Laissez tranquille. Ah bon. C'est bon, je rigolais. C'est long road. Ah, il va déco alors qu'il se co. Ah non, il vient. Tu sais que toi, t'es mon pote. T'es mon pote. Oh, non. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non. Qui êtes-vous? Que l'enfant sage baignant dans son sang au milieu de la ruelle s'en aille vers d'autres yeux. Mais enchanté, mais qui êtes-vous? Vous voulez? Oui, je suis sage S. Attends. Grand indien des contrées lointaines, perdu au fond des choses loin. Vous êtes indien, c'est ça? Je oui. N'arrive pas à bien voir. Moi non plus, monsieur m'a pris un œil. Comme vous le voyez, c'est mon avis qui est tombé dans des pommes. Si vous voulez, nous allons le ramener chez le docteur. En tout cas, je me présente, je suis Eddie Larouille. Enchanté de vous connaître. Vous êtes perdu? Je ne suis pas perdu. Non. Quel être humain s'il cherche sa route? Il aurait appelé pour faire perforasse ou quoi? La route est longue, mais le fleuve ruisselle. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce con? J'ai l'impression qu'il est complètement possédé. Que dois-je faire? Très bien. Bon, j'ai pas tout saisi, monsieur. Vous voulez que je vous amène à l'institut Le menu d'animation, j'arrive pas à l'enlever, les gars. C'est ça qui... Je comprends pas. Bon, en attendant, on va essayer de... Onga yigungo minginga. Onga yigungo minginga. Mais, qu'est-ce que c'est ce dialecte? Je teste la pureté de votre ami, voir si le grand seigneur... Oh Hulé. Oui, bah, continuez, peut-être que ça ravivera son âme. En attendant... Allons-y, je vous accompagne, mes paroles vont le bercer et le ramener vers nous. Enculé. 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 Qu'est-ce que j'ai à faire, ce coup? J'ai l'impression d'avoir affaire à un illuminé. Oui, avancez, guidez-moi, vous savez où je trouve le... Je ne sais point, mon âme est perdue, mais mon œil est toujours présent. Je guette. Vous êtes une sorte de chaman, c'est ça? Vous avez les... Putain, mais... Comment dire? Vous voyez à travers... Les mains des gens, les yeux comme ça, j'ai vu ça en Europe. Des personnes tout à fait illuminées. Je vois rien en vous. Vous êtes sombre. Non, je... Oui, il fut un temps que j'étais sombre, oui. Je faisais des choses là, très sombres, mais aujourd'hui, je suis un homme nouveau dans ce nouveau continent. Votre vie transpire sur votre visage, vous m'avez l'air terriblement nocif, toxique. Non. Je vous assure, mais comment... Attendez, comment vous savez ça? Je le vois. Vous êtes un sodomite, ça crève les yeux. Mais... Je ne peux pas le croire. Vous voyez dans... Mon histoire, vous savez... Vous savez je comment... Je vois en vous et je vois surtout... Le troufion de votre ami que vous serrez à pleine main, mon ami! C'est pas ce que vous croyez. Vous savez, c'était la première fois. Je l'ai simplement. Comment vous savez où vous nous avez vu? J'étais à la recherche de personnes comme vous. Des personnes à remettre au Seigneur. Non. À remettre au Dieu. Je vous assure. À remettre au prophète. Nous n'avons pas été jusqu'au coït, je vous assure. Je vous assure.
Par contre, ma salope de mère, celle qui m'a abandonné, elle traînait dans un bordel, je peux vous assurer qu'elle... Et vous l'avez même ressenti. Oui, je sais, c'est pas si difficile, il y a ma mère, cette connasse. D'ailleurs, je lui envoierai toujours une vraie pute. Je pense que personne ne pourra m'aider. Vous êtes une âme déchirée, perdue. Oui, c'est ça, oui. Une âme déchirée, perdue. Et j'ai besoin de repères. C'est mon acolyte. Un tout fils, j'ai perdu de vue. C'est pour ça que je me suis laissé tenter par toucher les parties de cet homme. Mais je vous assure que je changerai. J'essaierai. Il vous faut cueillir des baies sauvages jaunes écarlates et trempées dans le sel de la mer. Puis vous les injectez dans les narines et renifler. Oui, s'il faut se laver de ça, oui, je le ferai. Je le ferai sans souci. En attendant, il faut absolument que qu'il se réanime. J'ai l'impression de le ressentir de fou. Il faut absolument qu'on aille chez le médecin. S'il vous plaît, regardez sur la carte. Oh. Attendez, il fait... Il y a des flammes, mon c'est Dieu quoi? C'est où là? Enculé, se déchaîne sur nous! Aïe, mi madre, aïe, mi madre! Allons-y. Et je ferai tout ce que vous demanderez. Mais s'il vous plaît, n'en dites pas un mot aux autres. Qui sont les autres? Il en va de mon honneur. Votre honneur n'existe déjà plus! D'y rentre. Les gars, guidez-moi le médecin. Noyé dans une bouteille sombre et sale. Qu'est-ce qu'il raconte, putain? Il y a personne ici qui pourrait donc nous guider. Le docteur, elle est où? Suivez-moi. Il sent le chlore. Oui, c'est ici, effectivement, je reconnais. Je sais pas. Cependant, j'aimerais savoir, vous n'auriez peut-être pas un peu abusé de la boisson? Je ne bois pas, je ne suis pas l'ivrogne que vous pensez! Vous fumez? Je ne fume pas, excepté au chalet! Je le laisse? Jamais dehors! Jamais! Non! Si vous voyez un peu vers l'avenir, j'espère que ce n'est pas bientôt l'heure du châtiment. Rassurez-moi. Le châtiment est déjà là. Le châtiment vous a déjà cerné. Regardez-vous! Il vous a pris votre âme. Tout ce qu'il y avait de bon en vous a été éjaculé. Non, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Il reste encore du bon en moi. Lâche-moi au pire, je me rien. Ok. Il apprend ça. Ah merde, t'étais là. Un ennemi. Non, c'est un simple charlatan, laisse-le. 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 Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Enculé. Sodomite. Pute. Aïe, pute chienne. Comme connard, oui, comme connard, toi aussi, cette bon, pute bon, chienne. Bon. Chienne de pute. Nique ta race. Ah, c'est bon. C'est l'ami? Oui. C'est quoi cet acquilé là? Oui, il s'en fait pas. C'est un sang. Non, arrêtez. Encore. Vous voulez que je vous passe tout ça, tout ça, et vous faites piou-piou entre vous deux, c'est ça que vous voulez? Oh, les esprits sont présents, ils s'occuperont de cet homme plus tard, son corps brûlera en pleine forêt. T'es en train de me menacer. Non, on peut trouver un terrain d'entente, arrêtez. Ce n'est pas moi qui décide de ça. Arrêtez, on peut trouver un terrain d'entente, on pourrait s'entendre. Il y a des choses à régler dans cette ville, il y a un genre de nageoire au Marshall. Il faut absolument qu'on lui fasse sa peau. Je suis très mal vu. Je ne comprends pas. Lui, là où tu le fais confiance à celui-là? Oui, il voit certaines choses. Désolé. Oui, je vois. Si nous,
Je crois qu'il nous a vus. Donc on peut plus reculer, on doit lui faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il voit qu'avec un œil, lui? Je vois que vous êtes une sacrée dose de merde. Il nous a vus. Putain, mais merde. Prends-t-il. Calme-toi, c'est bon, Seigneur. Il nous a vus, c'est bon. Maintenant, il en est. Il en est. Il en est, calme-toi. Calme-toi. Il nous a vus faire la chose. Malheureusement. Hein? Oui. Non, non, non. Si, si, malheureusement. Nous sommes pieds et poings liés maintenant avec lui. Putain. Oui, je sais. T'as pas intérêt de parler, ok? C'est déjà fait, ils l'ont vu, tout a été vu. Oui, il part de ses esprits, je suppose. Mais s'il te plaît, n'en dis rien. Attendez. Vous serez jugé. Mais monsieur, vous n'avez déjà rien entendu, monsieur. Voilà, vous n'avez rien entendu. Cul était dans jaune, toi. Fils de pute, ma lumière. Vous n'avez rien vu. Si je te demande de rester à terre, fils de pute. T'as tout vu? T'as tout vu, présent dans le camp, oui, il y a longtemps, t'as tout vu, oui. Vous avez rien vu, les gars? T'as rien vu, t'as rien vu, dis-moi que t'as rien vu, toi. T'as rien vu, mort depuis 10 ans. T'as rien vu, toi, t'as rien entendu, et t'as rien t'as vu. T'as rien entendu, Balance. La rue, il parlera pas, je pense. Voilà, il parlera pas. Il parlera oh, pas. Enculé. Il s'est rabattu la gueule. Doucement avec le PNJ. Molo avec le petit personnel, ouais. Pourquoi il tire Oh putain, il est bon. Oh putain, il a sorti un pistolet. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On porte. Il est quelle heure là? Parce qu'on a, on va pas pouvoir avancer, hein. Il est minuit 20, faut qu'on aille sur GTA, je sais pas pourquoi il y a un peu de monde. Je reconnais cette langue qui t'a dit ta maman, quoi. Il s'agit du prophète Hank Hulé. Ok, donc, en fait, si tu veux, là, si tu nous comprends, toi, individu bizarre, là, on doit choper le shérif, là, l'adjoint, ou je sais pas, là, le mec qui se prend pour Spaghetti. C'est quoi un deal, il veut? Donc, tu vas me donner tout ton argent, et comme ça, je vais m'acheter un lasso, ok? Très bien, regarde, je sors mon doigt et je te le mets dans le nez, ça fait de grosses... Oui, il faut trouver absolument un terrain d'entente entre vous deux. Et qu'on se mette d'accord. Crache-moi dans la bouche. Cracher dans la bouche peut-être c'est un signe d'amitié. Ouvre la bouche maintenant. Allez, je sais, ça va être dur. Nous avons un pacte, tu es maintenant malade. Ça sent le formol tout ça. Je détiens une potion qui pourra te sauver. Parle de quoi? J'ai une maladie rare qui fait tomber les membres. Sérieux? Eh ben, la rouille, putain. Il vient de me contaminer. Nous sommes maintenant plaies et poings liés. Il te faudra boire les potions chaque jour avec moi. Ils ont dit quoi, les gars? Ils parlent de potions? Je vais te faire boire ma potion, toi tu vas rien comprendre. Non, je ne boirai pas votre potion. Votre potion est bon pour votre ami, le ramassis, la gourde, comme on l'appelle. Mais pour moi, non. S'il vous plaît, ne mettez pas plus bactère, s'il vous plaît. Vous savez que j'ai... Mon âme est sombre maintenant. Je te dis, t'as de la chance que ton œil s'est perdu vers nous, hein. Je te le dis. Oui, mais il voit toujours la tête de mécréant que vous êtes. C'est de la bouche. Et maintenant, on est deux. Tu vas arrêter tes conneries, hein, saligo. On doit faire équipe. Très bien. Il faut absolument qu'on le retrouve, cet adjoint, et qu'on lui fasse payer ce qu'il nous a fait. Il a une dent contre moi, mais il faut lui montrer qu'il doit pas nous manquer de respect. En échange de mon aide, vous devrez m'aider également. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je cherche une personne. Elle s'appelle la Polissonne. J'ai déjà entendu parler de cet individu. La Polissonne. Dangereuse est-elle? Très dangereuse. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Tatouée en croix de fer, des ailes sur le dos, est-elle? Il faut la ramener à mon camp pour la remplir du sperme d'Indien que nous avons coffré depuis des centaines de millénaires et la remplir pendant des semaines. Il paraît qu'un clown et sa sorcière la surveillent et la protègent. Eh bien, nous les trouverons. Attendez, de toute façon, j'ai un lasso. T'en voulais un, c'est ça? Il faut absolument que je t'en procure un.
Les forces de l'esprit nous accompagnent, nullement besoin d'armes. Ça je crois pas que pour l'attacher ton esprit, non. Ouais, ton esprit va servir à rien, je crois, face aux armes. Je crois vraiment la maîtriser avec ton esprit, j'en doute. Je la maîtriserai avec mon esprit, je vais rentrer dans son... À l'intérieur d'elle, en elle. Dans sa tête, oui. Oui. Allons voir, vous voulez avoir le Marshall, comment s'appelle-t-il? Je n'ai pas son nom, mais en tout cas, une nouvelle quête s'offre à nous. On y va. Allons-y. Ok, ben je suis. Vous êtes sûr de suivre le plus bête d'entre nous? Ah, effectivement. Il y a quelque chose là-bas. Il y a un individu sapé de bleu. Je trouve bien habillé celui-là. Eh, je sais pas s'il pourra nous aider. Excuse-moi, t'aurais pas vu le Marshall par hasard? Arrête de la garderie. Hank, hulé. Il a acheté le marbre. Je regarde. Je vais vous emmener au bureau du Marshall. Tête, il n'a plus, mais corps a été retrouvé. Je suis diabolique. Heureusement qu'il m'a dit où est-ce qu'était le bureau du Marshall avant que tu lui mettes une balle dans la tête. Allons-y. Oh, allons-y. T'imagines, tu fumes un mec et tu lui éclates la tête comme ça. C'est très efficace, j'ai bien chargé en Winchester, celui-là, il va le poudre à canon. Toi, t'imagines, tu fumes le mec en RP comme ça, quoi. Putain. J'avoue, c'est free kill, mais c'est ce qu'on veut pas. Enfin, mais ça serait tellement jouissif qu'un mec sacrifie pour qu'on le nique comme ça. Ce serait tellement drôle. La rouille, dans quel chemin tu le mènes, hein? Il faut absolument les retrouver. Je sais pas s'ils sont encore dans cette ville. Ils ont tous joué après le mariage. Il faut savoir où ils sont tous allés. Est-ce que t'as des informations? Faut aller au commissariat de police directement. T'es sûr, Ça c'est chiant sur Red Dead, tu vois, des fois on est bloqué. On aimerait avancer en RP, mais comme on sait pas où sont les gens, c'est chiant. Bon après, si on... C'est même pas du... Mais comment on appelle ça? Du méta-game, je sais pas quoi, il y a un terme pour ça, mais... Franchement, pour ça, on est obligé d'en faire, les gars, parce que pour avancer en RP, donc il faut qu'on ait ces infos, donc si vous savez où ils sont... Je te le dis, par contre, tu vas arrêter de me chercher. Mais calme-toi, Esté, bon, je vais même battre pour ça. Je ne vous cherche pas, j'ai déjà trouvé votre âme. On est obligé d'avancer en RP, parce qu'on va pas s'amuser à visiter chaque endroit, vous êtes d'accord, les gars? Hey, ça me fera plaisir. Tu me rappelleras, il faudrait que j'aille voir un spectacle ici. J'aurai un jour les moyens d'y aller. C'est très joli. Le RP est beaucoup plus beau, ça c'est sûr, c'est une évidence. Valentine, tu penses? Mais arrêtez de pré-shot, les gars, mettez des points d'interrogation, parce qu'on sait pas. Hein. On sait pas où sont les gens, du coup. Ah, pas tous, c'est l'admin. Ce que j'ai entendu, c'est vers là. C'est ce qu'il disait avant que tu mettes une balle dans la tête. Mais en tout cas, il méritait. Je le vois depuis quelques jours, il reste tout le temps à cet endroit-là. Il pourrait le cafeter. Et je pense qu'il était à un certain endroit, il a pu voir ce qu'on a fait. Il faut ouvrir. Attendez. Il y a quelqu'un? Shérif! Bon, je vais recharger mon gun. Vous avez toujours votre tête? Il est où ton Marshall, toi? Oh! Oui, parle. Parle, on a eu un de tes collègues. J'ai l'impression qu'ils n'ont. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. J'entends des gens à l'intérieur! Ah oui? Comment ça se passe, cette merde? Oui, vous n'entendez pas, où sont-ils? Comment ça se passe, monsieur? Oui, j'entends des voix. Il y a quelqu'un? Nous aimerions rencontrer l'adjoint. Putain, à travers la vitre, je vois deux mecs là. Essayons d'entrer. Y a-t-il une autre entrée? Et le perso de Greg, il s'appelle comment? Je suis
Allez-y. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Ah, peut-être par là. Allez. Putain, c'est fermé, quoi. Hey, connard, tu m'ouvres la porte. Écoute-moi bien, fils de chien. Viens haut, la porte. J'ai pas rechargé encore. On règle le compte, les gars, on fume. Non, on va pas fumer tout le monde. C'est fermé la rouille. Mais j'entends des voix, il y a des gens ici certainement. Oui, il semblerait qu'il y en ait, mais ils ne veulent pas nous ouvrir, ils ont peur. À nous, un nouveau shérif dans cette ville. Je suis content de faire équipe avec vous. Vous devriez tirer en l'air pour voir si ça les fait venir. Très bien. Il a dit wow, non? Je crois quoi. Je pense qu'ils ont entendu cette fois-ci. Oui, nous avons attisé leur sympathie. Ouais. Le perso de Greg s'appelle comment? Ouvrir la porte. Hein? Oui. Salut RMCS2, comment tu vas? Il y a les D-Live. Par contre, les alertes D-Live, je sais pas comment, pourquoi on les voit pas. Attends. Je ne comprends pas. Parce qu'on les a pas vus tout à l'heure, ça me gêne un peu. Alors, c'est... Voilà. C'est pas toi. Je suis dans la vitre. Mais j'ai pas beaucoup de balles, les gars. Après, j'ai 42 dollars. Si il t'emmerde, tu dis que tu fais du baltrap. j'avoue. Je... Où sont-ils? Où sont-ils? J'entends des voix. Mais entendez-vous ces personnes tout comme moi? Je vous ai dit, entrez, poussez à l'entrée, je suis derrière la porte. Poussez, vous allez rentrer. Fermez. Il a trouvé un glitch. Venez en courant. Oui. Il a trouvé un glitch, bâtard. Oh. Oui. Oh. Vas-y presque, mais putain comment j'ai... Attends, comment il l'a fait pour rentrer? Il est en live là il... Je suis à l'intérieur, bordel. Bah ressort. Non, il faut qu'il reste à l'intérieur, essaie de nous ouvrir. Ouvre-nous. J'essaye. L'admin va vous ban pour glitch, mais non, il n'y a pas nos ban pour glitch. On veut juste rentrer, on veut juste savoir qui a qui. De toute façon, on fera rien les gars, on fera rien, on va juste discuter avec les gens. Et s'ils nous demandent, ouais, qu'est-ce qu'on faisait en tirant, on dira qu'on faisait du baltrap ou on a tiré sur un pigeon ramier. Hop là. Ah, tu vois là, alors comment t'es? J'ai couru. Les singes de D-Live, faites un effort. Oh. Ouais, les D-Live, ce soir, vous avez perdu contre les youtubeux. En tout cas, vous avez bien rattrapé. Par contre, sur la fin, là, sur le léchage de boules, vous avez... Par contre, vous aimez bien ça, les petits singes, hein, lécher les boules, hein. Les deux boules d'un mec, hein. Ça vous aime bien, ça vous parle, ça. Hein. Merci les D-Live, merci les YouTubeurs, vous faites une belle équipe. Yacine, ne l'aimez pas plus. Il semblerait qu'il n'y ait personne. Oui, j'ai cette impression, oui. Bon. Il avait l'air d'être au téléphone avec sa femme. Mais dites-moi... Merci, Patou. Vous avez déjà vu dans un papier, pendant les rues, il me semble, concernant... Mais dis la rouille. Vous n'auriez pas, par hasard, mis le feu à un orphelinat? Voilà, parlez de moi. Je dis quoi, les gars? Brûler une sorcière, oui. À la voix de poisson, oui. Comment il peut savoir ça? Oui, mais comment vous avez... Oui. T'as fait ça, la rouille? Oui, il fut un temps, à l'époque, je t'explique, je devais sortir d'un travail forcé, j'étais un bagnard. Et j'étais perdu, je savais plus où me mettre. Et il se trouve que j'ai vu, dans cette orphelinat, de la petite Teens. Oh non, la rouille quand même. Et ça a été plus fort que moi, après avoir défloré une... Je sais pas, je voulais pas laisser de trace. T'abuses, la rouille, t'abuses. Je voulais pas laisser de trace. J'ai tout brûlé. Et si nous nous rendions à Valentine, mon calèche?
Oui, allons-y. Quittons cette ville. Suivez-moi. Ouais, dans Taking, on verra bien, parce que je suis curieux de savoir comment ça va être converti les dinars algériens. Mais ouais, ouais, là, c'est la bonne soirée, quoi, donc ça fait plaisir. Ça me rappelle les grosses soirées Twitch, là, où ça partait en Full Donation, et là, je l'ai revu là, depuis mon anniversaire, c'est cool. Mon anniversaire qui était le 25 juillet, donc là, ça faisait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc merci à ceux qui ont les moyens et qui veulent me faire plaisir, et c'est très gentil, les gars. Alors, et ça m'aide beaucoup. Parce que c'est pour rappel, parce que je suis youtubeur désormais maintenant, les gars. Il est passé où Oh. Allez, salut, connard. Bien joué. Attends, il se fait emmener, je crois, c'est un taxi. Ah, c'est un taxi? Sérieux? Valentine's, let's go. Trop bien là, attends. Voyage rapide. Ah bah voilà, enfin! Ça c'est bien ça! Attends. Go à Road, nous dit Franck. Voyage rapide là, c'est là. Oh ouais, te faire c'est sûr. Ouais, ouais, mais y a pas que Krusty, y'en a tellement, mec. Je vais pas tous les citer parce que j'en ai oublié, ça va pas. En même temps, je sais même pas s'ils sont encore là. Attends, c'est quoi ça? Elle arrive quand l'hyper vitesse là? Appelle-moi Joe! Joe! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais. C'est qui paye? L'âne qui braye! Une nouvelle vie commence. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un homme nouveau. J'ai des amis maintenant qui m'accompagnent, je ne suis plus tout seul comme avant. Je ne m'amuserai plus à abuser des filles. Aujourd'hui, j'ai décidé de me repentir et de repartir à zéro. Bien sûr, Aizen. J'ai commis des choses atroces dans le passé. Aujourd'hui, j'ai envie de me repentir et être un homme nouveau. J'espère que je vais trouver le salut en ce... Cette personne en ce charlatan, c'est certain illuminé, mais il a l'air de voir des choses. J'aimerais tellement qu'il soit là pour voir comment j'ai changé. Je ne brûlerai plus les enfants. Si vous voulez des speeches, mettez-les sur YouTube, je vous les lis si vous voulez. Qu'est-ce qu'il veut, Babar? Ok, vas-y si tu veux. J'ai donc tant souffert dans ce monde de chienne. Maintenant, je veux démarrer une nouvelle vie. Une vie sans problème. Avec des femmes, beaucoup de salopes, beaucoup de putes. Des chiennes. Infâme et sperme. Oui, beaucoup. Ça va pas vite son truc, hein. Oh, quel film. Vous l'avez, j'espère, il y en a qui l'ont cité dans le chat. Le dernier des Mohicans. J'espère qu'un jour, ils oublieront que j'ai léché les deux boules d'un mec. Si j'ai léché les deux boules d'un mec, c'est qu'il y avait une raison au plus profond de moi
Je savais que c'était la meilleure chose à faire. Merci Nocoulant, merci beaucoup. Vivement que je puisse mettre la viande dans le torchon. Mes deux boules me grattent. La musique que j'ai mise tout à l'heure, waouh, ouais, elle était pas mal. Hein. Ça, c'est, je crois que c'est le c'est Joe Hisaishi, c'est le petit poussé, la bande originale. Et celle d'avant, c'était, waouh, faut que je regarde. Regarde bien, ah oui, la bouffe, bien vu. Ce serait con de mourir. Là, on est bon ou pas? Mais t'étais sur Twitch, Patou, je me souviens de ton pseudo, non? Quand on était sur Red Tart à l'époque, il y a quelques mois. Putain, ça remonte maintenant. Hein. C'était quand on faisait du RP sur Red Dead, on a commencé quoi, en mars, avril? Putain, j'ai direct accroché, hein. Franchement, c'était vraiment bien. C'est une bonne idée de faire du RP sur Red Dead. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ça change vraiment de GTA et des guignolos qui font de la merde, quoi. Et Nocoulant, qui s'est abonné sur YouTube et maintenant qui envoie une... Mega quoi? Écoutez la musique, les gars. De couleur, reste concentré. Merci en tout cas d'être là. T'étais sur YouTube, toi, je me rappelle, sur Twitch. Je suis un homme meurtri par la rancœur. Je ne suis qu'une perle parmi les chattes de ce monde. Ils sauront bientôt qui je suis. Comment je fais pour faire une donation? Ah merde, c'est pas ça. Les gars, je lisais le chat. J'ai parcouru tout ce chemin, pourquoi? La gloire. J'aimerais me repentir à présent. J'aimerais lécher les pieds secs. Avec un peu de corde, mais pas trop. Vous êtes bientôt arrivés, t'inquiète pas. Ah non, ça c'était pas dans le... Y'a un gars qui... Oh putain, les émotions, cette musique. Avec le fond, comme ça, c'est magnifique, non? Vas-y, je me tais. Je suis coma. Non. Ah non, il est mort, regardez. Il est coma dans le chariot, regardez, les gars. On dirait qu'il est en train de vomir. Exactement, Eden le chien, ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Comment elle s'appelle, cette émission avec Arthur, là? Son idée, je le revive. Mets ton idée, Greg, dans le chat. Grégouze, mets ton idée. Quand il chiale et qu'il donne les mouchoirs. Apprendre à laisser, voilà, l'émission, exactement. Bien vu, les potes. C'est ça, les gars. Ils auront bon me sucer, mais je ne leur donnerai jamais ma reconnaissance. Je suis Eddie. Et dit la rouille pour vous servir et sucer vos bandes de pus. Par contre, c'est normal qu'on aille très lentement. Enfin. Voyage rapide. Il faudrait peut-être que tu mettes ouais, plus de chevaux. Hein, pas tout sur ton cerf. Hein. Bon, après, c'est bien parce que du coup, ça fait une pause un peu dans le RP, mais bon. Merci à Elix. Change de chaise. Non, j'ai même pas testé ça. Ah ouais. En bas à gauche de l'écran. Ouais, mais l'idée de Grégouze, il veut savoir son idée, ouais. Grégouze, si tu m'entends sur le stream, donne ton idée dans le chat YouTube à Patou, il va te revive. Avance! Avance, ça pue! Avance! Notre voyage est terminé, ok. Ah. Vous faisiez un somme? Ah, je suis endormi un peu. Ah, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Bon. Le voyage était plus long que votre canon. Je me suis un peu endormi sur le trajet, j'avoue. Allons-y, ça me rappelle les souvenirs ici.
J'avais beaucoup dégénéré. Bon, je reviens comme si j'étais dit. C'est une ville de rustres. Putain, mangeant, tu dérapes, Early. Ouais, Early. J'espère qu'ils sont là, bordel. Ouais, go supprimer le message d'Early AI, les gars, dans le chat, s'il vous plaît. Ça me ferait chier de me faire ban à YouTube. Beaucoup de sauvages ici, apparemment. Merci, Yacine, d'avoir relevé. Yacine, c'était quoi ton pseudo sur Twitch? Parce que j'ai connu un Yacine. Mais je pensais que ce soit toi. Quand appelez-vous des sauvages, mon ami? Ah, pardon, excuse-moi, l'étranger. Des sauvages, des sauvages. Vous êtes plus étranger que je ne le suis. Ça va de me dire ça, ça fait des années que vous me dites ça. Il joue bien quand même à Yembap. Hein. Franchement, il s'est créé des nouveaux persos et un tout, jour, c'est vraiment stylé. Nous récupérons nos terres. Je parie que même dans 2 siècles, vous aurez rien récupéré. Attendez, vous avez des terres, c'est ça? Vous êtes un indien, vous avez quelques contrées à vous? Il est vrai que tout ce territoire nous appartenait et nous avons passé accord avec grand visage pâle, sale et alcoolique. Je suis désolé pour eux. Je suppose que vous avez mis une de leurs couvertures ou un de vos ancêtres, enfin, votre famille. Il est vrai que nous avons pu avoir quelques champs de tabac, oui. Et des femmes blanches. Il y a quelqu'un devant le docteur. On lui coupe la tête. Non. Ils sont là-bas, j'ai vu des gens, bordel. Ça me fait plaisir, putain, de voir des petits cons. Non, tu te croirais dans un film, c'est abusé. Alors, Yacine, j'étais un mangeur de steak, laisse tomber. Ah, ok. Non, mangeur de steak, c'est en gros, c'était un pauvre qui mangeait des steaks. Là. Bonjour à toi. Il aura fallu quand même plusieurs années avant de me venir. Saurais-tu par hasard où est le marshal? Mais c'est qui ce mec? Absolument pas. Nous cherchons le marshal pour l'assassiner. Non, c'est pas vrai, nous voulons nous entretenir avec lui. Introduire notre main au fond de son dossier, prendre ses entrailles. Allez, stop, tu te tais ou pas? Non, c'est bon, laisse-le. Putain, il a une grande gueule celui-là, tu peux pas la faire lui. Et tu vois pas qu'il est là. Mais c'est quoi, il fait un RP Dovi ou quoi? Oui, il ferme ta gueule un peu, bordel. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, vous êtes qui? Vous êtes une sorte d'illuminé, d'un mage, c'est ça? Oh, qui êtes-vous? Monsieur John Strauss. J'ai mangé mon fils. Oui, vous avez surtout mangé, à mon avis, beaucoup de bourbons. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Oh, faites gaffe à ce que vous dites, là. Ici, la dame, c'est la mine. Madame, enchanté de vous connaître. Oh, vous avez le chapeau du chevalier blanc. Vous faites pas dans le partage, monsieur. Non, mais non, pour l'instant, je suis celle de personne. Donc le bouffon du roi, maintenant tu dégages, il y a le gars qui en violet, celui qui ressemble à une tulipe, allez. Un jour, vous serez libre de tout être masculin. Je me présente, Greg Chariot, comment ça va, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment ça, qu'est-ce qu'il raconte? Eh, Gandalf, va voir ailleurs, là. Comment ça, Gandalf? Il va. Merci, Braise. On dirait la mienne. Merci, QB. Allez, il a rigolé, ah, même. Je crois, qu'on l'a terminé. Oui, regardez, il fait le bon. C'est du travail d'équipe. Merci, je te fais un chèque, Rakaï. Regardez. Quelle belle croupe d'ici. L'ici, c'est de dame tronquille, vous allez la faire faire amour. Je parlais pas de la dame. Nous n'en avons que faire, mon bon monsieur. Vous êtes quelqu'un de repoussant, vous nous dégoûtez. J'ai envie de vomir sur votre cape si elle n'était pas déjà d'une couleur vive. Mademoiselle, quelle est. Vu avec ta gueule, comment vous vous intitulez, mademoiselle, s'il vous plaît? C'est mademoiselle Jennifer Delacroix. Et vous? Jennifer Delacroix, je me présente, je suis Eddie Larouille. Vous pouvez m'appeler Edouard, si vous voulez. C'est la bière. Et vous faites quoi? Pourquoi vous vous tendez ce fusil? Oui, faut attention. Vous êtes en état de. Non. D'alerte. Quoi? Je t'ai juste dit la bière, elle est restée de travers. Il y a beaucoup de Mexicains en ce moment. Oui, si, ça, reste tranquille. Ah, d'accord, vous prenez vos précautions. Macumba, t'es où? Il est prévenir que guérir. Macumba, t'es où? Vous avez bien raison. C'est l'accueil qu'on a, n'empêche. T'as entendu, t'es où? Heureusement qu'il y a. En tout cas, le nouveau camarade, nous cherchons simplement l'adjoint. L'adjoint au shérif est-il ici? Ah non, je suis pas ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame Delacroix, mademoiselle? Ah, mais ça, c'est monsieur qui m'a bragué plus d'un. On s'occupe comme on peut. Tu as fait quoi, mon petit? Un peu de ça. Vous voulez pas qu'on s'occupe ensemble? Non, j'ai dit qu'à un moment, on a fait une petite scénette, lui et moi. Lâchez votre fusil d'extension. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé, là, Macumba? Je suis souvent entreprenant, moi, madame. Tu vas nous faire de la magie noire, ça? Tu vas t'amuser avec des boules, c'est ça, maintenant? Ça va faire le 7e en 2 jours. Voilà, là, c'était comme ça allait. Le 7e, mais moi, je suis exceptionnel. Ah, jamais... Mais en tout cas, vous avez un beau sourire, faut le dire.
Mais il est où, putain, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de prendre ma chance gardienne. Et oh, Toto. Et le mage, là, tu vois bien qu'elle appartient, âge, mec, elle appartient à personne. Et t'es qui de peau, et... Ah non, pour le moment, j'ai aucune bague là. Par contre, t'en as 7 qui voudraient la moi, j'en ai une à la bite, si vous voulez, je peux vous la montrer. Ah, bah. C'est un coquling indien que j'ai réalisé avec mes amis. Bah, je suis content de le savoir. En tout cas, j'apprécie vraiment votre charme. Et vous avez une certaine, comment dire, prestance. J'avoue qu'elle me donne chaud. Vous êtes une femme de caractère, Madame Lacroix, de Lacroix. Et vous savez qu'elle peut vous tabasser comme ça, là. Et vous vous occupez de la sécurité de cette ville, c'est ça? Non, de la mienne. Ça, c'est le genre de femme que j'aime, ça. Caractère. C'est ce qu'on appelle des choses. Madame, aurais-je l'obligeance de vous parler quelques secondes afin de vous faire part de notre quête? Ben oui, on peut toujours parler. Très bien, écoutez-moi, je suis Joe, le chef indien des contrées lointaines et reculées. Comme vous le savez, des femmes blanches nous ont été échangées contre nos terrains et malheureusement, elles sont toutes décédées, mortes dans leur rang. C'est la vie. Nous cherchons donc des femmes reproductrices à enfanter. Et je voudrais savoir si vous nous feriez ce plaisir. Nous sommes seulement 3. Attendez. T'es vraiment un traître. Eh ben, on va devoir attendre. En tout cas, merci pour la pause décisive. C'est gentil, j'en attendais pas moins. Tu me menaces comme ça direct. Je te parle, je te dis que t'es un traître. Oui, d'accord. Me parle pas. Je sais pourquoi tu fais ça. Voyez-vous cette obligeance, le travail sera bien entendu payé, oui. Ouais, c'est ça. Par contre, ne me menace pas, ok. C'est le monsieur. Il n'y aura aucun coït sexuel, rien. Ne me menace pas. Il s'agit de fioles sacrées qui vous seront inséminées via un tube. Les tranquilles, monsieur Macoubon, tu vas voir. Comment? Mais toi, t'es plein de boue, mec, va te laver. Pourquoi j'arrive pas à manger ma viande de gibier? Tiens, regarde la boue. Bah là, j'ai plus de bouffe, les gars. Tu vas te calmer de suite, je te le dis juste, tu vas te calmer. Je vais te relâcher, tu te calmes maintenant. Calme-toi, le mage, calme-toi. Tu le touches pas, toi. T'as compris? Bon. Oui, donc, madame. Je sens qu'avec votre poignet, vous voulez faire quelque chose. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de coït. Il s'agit de fioles ancestrales. Toi, ton pote. Ils vous seront inséminés via un cracheur de feu. T'as qu'à tenir ton pote. Le tube viendra dans votre vagin et quelqu'un soufflera dedans très fort. Oh putain, c'est bon. Rien pourra-t-on dire que nous tâter, toi? Ah, on se retrouvera, espèce d'enfoiré, là. Mais pourquoi vous réagissez de cette manière? Il a précisé qu'il n'y aurait aucun coït. Est-ce que je juge le fait que vous fassiez l'amour sans amour? Comment ça? Ah, vous aimez le foutre? Vous aimez le foutre, c'est ça ce que vous avez dit? J'ai pas compris. Non. Eh ben, je vais vous parler de foutre, j'ai pas compris. Ah non, mais quand on manque de respect, je sais pas. Alors tour. Calme-toi, et oh le mage. C'est bon, il est pas mort, Calmez-vous. Vous envoyez des sacrés. Aïe, aïe, mais madame Delacroix, ne faites pas ça. Ah, mais ça va ou bien? Mais regarde ce qui... Quoi? Ah, Ego RP. Pour ça? Juste l'allusion sur... foutre, c'est tout?